Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, je suis en train de lancer le jeu, vous inquiétez pas. Excusez-moi, j'étais en train de finir de grailler. Ah, la rivière Urique. Sac de sport dollar, c'est jamais assez. Compte même plus les sommes que j'ai laissé passer. Ennemis rivaux, business cadenassé comme on va réveiller Rurik, les gars. Pour tout casser, fais monter le prix du kill. Parce qu'on va faire ce sport, on doit récupérer notre fric déjà. Payer tout le monde. J'ai plus le temps de me poser devant la TV. Même dans la demeure, moi je relativise. Course poursuite, voire rapide et l'espidi. Le Santos toute ma vie dans la city. Je manie les lames et les armes, fais couler des larmes. De la cam et des grammes, on rentre chez toi et bam. Bam 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 bam. Trou dans cagoule un drame, finira veuf ta madame. Oui, oui. Au diable ils ont vendu leurs âmes, j'ai racheté la sienne à cette âne. Urbala. Ils font tous les savastano, je vais tous les... Allez. Ah. Qu'est-ce qui branle le gugus là? Oh putain. Monte le son. Et Rurik de retour sur les ondes de la radio, bande de bâtards. Wayo! Wesh! Wesh Richie, ça va ou quoi, ma Vas-y, c'est ton poule? moment. Hein? Richie, ce soir c'est jour de paye. Bah du coup, je peux dire au QG du coup. Bah oui. Ouais, désolé, y a que moi qui ai les clés. Ça va falloir que je passe aussi au garage à réparer la voiture, la première sac dans la gueule. Je pense qu'il y a besoin de changer le moteur, tout ça là. Dès que t'atteins les 300-400 km fait avec la bagnole, oui, il faut la faire checker. Je crois que faudrait sûrement que je le fasse avant parce que là elle fait un bruit de ouf. Enfin, genre, je pense que c'est dû peut-être à l'accident que j'ai eu dans le camion là. Ah oui, c'est possible, ouais. Déjà, j'ai pas de thunes. Là, j'ai beaucoup de réparation, putain de merde. Bon, en fait, Jean, c'est comment hier soir, du coup, les pics là? Ça parle pas de malheur. Ah! Elle laisse pas danser. On t'entend pas, Tommy, si tu parles à la radio. On entend juste les tulutulutes. Viens au QG, tu comprendras. Je suis là. Bah, il faut que Rurik est ouvert, il va t'ouvrir. Open the door. Il régale. Meilleure entrée en live. Bigouhou. Ayo. Et ce soir, c'est jour de paix. Yeah. On a pris les caisses cet après-midi. On a ramené le sale à Quentin. Ce soir, c'est soir de paye, ma couille. Allez. Et il y avait même Amy avec nous aujourd'hui. Poussez-vous. Il y a quoi? Il y avait même Amy avec nous aujourd'hui. Mais non. Bah si. Elle a plongé avec nous et tout cet après, mon frère. Mais wesh. Mais si, c'était fois, trop bien. Ça, moi.
Bah, j'espère qu'elle va être là ce soir. Bah, j'espère, ce serait cool. Bah, elle a dit qu'elle reviendrait, non? Ah, normalement, oui. Hein. Allez! Et dans l'advertising, il y a le patron du garage où il travaille, Tommy, qui vend deux caisses au cas où. Il les vend combien? Bah là, il en vend qu'une pour l'instant. Il a mis ça à Duke. Mais bon, 33 000 balles, full perf et full custo à débattre 33 000. Ouais, les super full. Au rush. Je vais t'appeler Richie Jackson à toi, non? Toi, Richie Jackson? Comment ça va? Ah, la pêche, hein? La pêche, frère. Tu vas te fermer, oui? Première paye ce soir? Ah bah nickel. Non. Oui, ce soir c'est 10 cas par tête là, minimum. Oh, 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 oh. Eh bah ouais. Let's go. Ça va faire du bien ça. De ouf. Waouh, Mike il a pété cet enculé, mon chien, il m'a pété au nez, il pue du cul. Oh, tu pues du cul. Ouais, bon, on a été faire ce qu'il faut là, 10 cas par tête, ça va. Ah le bâtard. Let's go. Wesh, mais c'est un assassinat en direct. Hein? J'ai fait ma prime. Oh, ah, t'as pris où? Aïe. Allez, en direct. Bah, je vais pas le dire parce que il va encore avoir les boules. Il va faire une crise de convulsion, lui, là. Ah, bah, moi, j'ai pas eu ma prime encore. Mais, Tika. Bah, ouais. Je te le dirai quand on sera tous les deux. Tika. Ok. La même paye que ce soir. On va avoir deux fois la même prime, là. Enfin, tu vas avoir deux fois la même prime. Alors ça, ça mérite un truc, ça. Oh putain, poussez-vous, il va faire une dinguerie. Non. Parce qu'en fait, c'est à 10 000. Oh, il y a 10 000 ici, 10 000 au... Je sais plus. Comment t'inquiète, c'est moi je sais. T'inquiète pas, moi je sais. C'est le hemp. Redis. C'est le hemp. Oh putain, allez. Je sais plus, oh, dis-moi. Voilà. Non, mais Jim, hein? Ouais, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à l'entreprise, je m'en bats les couilles. Mikey, tu pues du cul là, bide ma mère. Oh. Yep. Allez. Ouais, j'ai récupéré tous les sous qu'il y avait dans l'entreprise. Ah, oh, l'autre, il m'a pété dessus, il me dégoûte. Ah, la gueule. Oh, mais t'as chien ou quoi? Ah, la gueule. C'est la chenille qui va dire. Ah, la gueule. Let's go. J'ai la chenille. Il a trop MP. Il a trop MP, ça y est. Il continue. On se MP. Ah ouais. Où ça sonne? Attends. Oh frère. Ah ouais, Kiki, il a lâché plus qu'une caisse. Oh Kiki, il essaie de me tuer. Oh, il a chié à côté de allez, moi, ou quoi, c'est pas possible, oh. Tous en colonie. Allez. Oh, ça sent le mort. Mais putain, t'es là. Ça sent comme s'il avait lâché une bouse. Merde, il est pas il me regarde, mais il est content. Mais putain, viens donc, viens en colonie. Queue, allez, regarde, let's go. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Va chier dessus, Mikey. Déjà. J'en ai plus, là. Il est plus rien. Ouais, il a tout vidé. Oh, putain. Oh, ouf. Et Pépito, en même temps, il passe plus de temps à l'hôpital qu'avec nous. Alors, Pépito, il va se calmer. Hein. Non, mais... Bah, on va attendre que les deux autres ils se réveillent. Ah, j'ai vu le truc de vêtements, t'as fait... Au final, j'ai craqué, j'ai pris... Un truc exotique. Ouais. Mais regarde bien. Regarde bien comment je suis beau gosse, moi. Quand je vais travailler, regarde bien. Je voulais trouver j'ai trouvé un truc LS Custom, mais c'est un t-shirt violet. La tête de ma mère, je mets pas du violet. Ah ouais. Oh. Bangs, auto-exotique. Il est beau. Ah, je me suis fait une petite tenue OP. Il manque juste un masque, mais. Ah, moi j'ai pas ça. Oh, par contre, j'ai la tenue de. J'ai la tenue de C'est moi le patron aussi, par contre.
Bouge up, bouge up. Oh là. Ah, j'ai la même. Ah, yes, ça, là, je suis en mode OP. Moi, je suis en mode c'est moi le chef. Qu'est-ce que t'en penses? Monsieur. C'est moi le chef. Monsieur. Monsieur Torlif, oui. S'il vous plaît, oui. Tout à fait, oui. Ah oui. Costard serré. Ouais, mais toi, t'as le masque. Moi, j'ai avec le masque et sans le masque, cher. Oh putain, ah oui, il faut y aller. J'ai trucs, là. Putain. Mais regarde ça, regarde les petites chaussures en orange, là, le petit détail orange sur les chaussures, frère. Ah oui. Aucun détail n'est laissé au hasard. Ah, rien n'est laissé au hasard. C'est qui là sur la radio? C'est Pepito ou c'est Amy? Hey, c'est quand on a fait la soirée au bal masqué là, oui, oui. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Eh ouais, mon gars, des gars raffinés ici. Ah bon, on est carrément allé faire la soirée en mode magnifique, toi. À la base, j'avais le petit masque oh, vénitien là. Oui. Bah oui. N'oubliez pas, oh, elle veut pas là, s'arrêter de danser, danser, danser. Au bal masqué. Oui, oui, oui. Elle danse au bal masqué. Putain, la ferme. Oui, je oui. Peux pas m'arrêter, oui. Danser. Alors, si vous voulez, moi je vous arrête, les trois. Ouais, non, c'est bon. Pendant moi, toutes les dit, filles, hein. On école et la couture. Cendrillon. Dracula. Napoléon. David Wam, vous avez pas peur. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, me plaît. Et qui je suis. Oh la gueule. Il va se faire couper. Oui, Pepito. Oui, Pepito. Viens là, Pepito, viens m'aider à tabasser Tommy. Ah, je peux pas, je suis en tapette. Mais tu lâches ton service Tommy. Et tu viens m'aider à tabasser ah, Tommy. Permis. Ah. Oh, bal. Bal masqué, oh oui, oh oui. Non. Il me suit. Ah, il me suit. Ah, Pepito, j'ai besoin d'un ambiance. Il m'a tapé la gueule. Ah. Bien fait pour sa gueule. Je suis en feu. Appelle les pompiers. Je suis chaud. T'es dehors. Ça sent le brûlé. Appelle les pompiers. Je m'en bats les couilles. Mais il tient vraiment à prendre un coup de couteau, les gars. Je sais pas, mais. C'est bon, allez. Open the door, please. Tu vas être puni 5 minutes dehors, cadre libre. Grave, tu t'es fait sortir de la salle de classe, quoi. Dur. Une souris verte qui courait dans l'air. Ton carnet. Je la tape par la queue. La montre. C'est monsieur. Non. Non, là, tu peux pas. Hey, dedans, dépêche-toi. Dedans, Tommy. Le rationné, Tommy, dedans, dépêche-toi. Ça fait plus le malin, là. Je fais ce que je veux. J'attends avant que tu me tires dessus. C'est pas possible. Voilà, t'as mon cul maintenant. Non. Soit tu me fais un deuxième trou, là, soit j'ai... t'assumes mon premier. Là je, suis en plein... là, je suis en plein dans ton oreille, là. Bing. Il y a un trou aussi. Elle est debout, trou de balle. Oh là là là. Je te jure. Non, par contre, les patates, c'était mérité. Peu, hein. Oui, putain, il va falloir que je passe au... J'ai plus rien. Tiens, viens, j'ai à moi à remonter. Non, mais il m'en reste un chaque, mais il va falloir que je passe au... Il y a un petit déca, là. Non, un bien serré pour moi, s'il te plaît. Oh, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Oh, c'est une obé. Talgateur normal, mais nique ta mère, je veux une talgateuresse, moi. Moi, je veux une talgateuresse, je veux pas une talgateur normale, oui. Bah, tu me donnes mon café tout serré, là? Bah tiens. Mon petit café dans son slip. Nickel, merci. Voilà. C'est fou, ça. Ah, j'aime bien quand c'est serré et que ça craque. Putain, non, je peux pas répondre sur c'est Twitter. C'est des cafés pour celui qui veut au cas où. Hein. J'ai le compte du travail, je peux pas répondre sur Twitter, putain. Ah, ouais, bah attends, je vais répondre, moi. Tu veux un café? Ouais. C'est quoi ton numéro fétiche? 18. Ah, c'est pour les mongrels. Ah, je croyais que tu parlais pour. Ah, putain. Attends, j'en ai d'autres. Pour les voitures.
Voilà, un café crème. Voilà, le petit café crème qui passe. Crème. Nickel. Allez. Ah, mais c'est les taxis. Putain, c'est où les... C'est là. Ah, elle est dégueulasse en plus, hein. La talgateur normale, elle, ça va, elle est pas trop mal en vrai, il a pas trop foiré. Non, mais une talgateur, ça peut bien se custom, une talgateur classique. Mais le problème, c'est que c'est... Ça pas les la... gars, c'est problème, pas... c'est pas, c'est pas autant agressif qu'une talgateur S, tu vois. Vous avez la rêve, vous connaissez une non, blague il a, de merde. Alors, il a bien fait en plus. Ah, si vous connaissez la rêve, vous connaissez une blague de merde. Et que le capot, j'aurais pas mis celui-là. Et ben, il y a Julien Le Gonfle et il y a Julien Le Perse. On peut lui mettre une balle tout de suite ou... Alors, honnêtement, hein, dans pas longtemps, il va aller nager avec les requins. Mais que avec les requins, pas avec les caisses, juste avec les requins. Je mettrais ton frère avec les requins. Mon frère ? Mon cher mon frère. Bro ? Je suis ton frère de cœur, je suis ton bro. Ouais, wow, il y a eu un carnage. Regardez la photo en dessous des mongrels, là. Il y a eu carnage. Ouais, il y a au moins 3 ou 4 flics. Mais c'est... Il y a des flics. Sur quoi je suis sur... Il y a mon frère sur la photo. Squark. Il y a, ouais. Il y a Harley qui tient Gravier. Parce que ça, c'est la touffe de cheveux de Gravier, ça. Je vois aussi Anater. Il y a même Pépito avec eux. Mais tu vois le MS. C'est qui le rouquin, là, qui est par terre? Tu vois le MS derrière, c'est Pépito. Il y a le MS, il y a Robin. Et derrière, là, derrière le cul de mon ref, c'est Pépito. Oh, merde, putain, Robin, elle a eu un accident. Oh, putain... Ah, va falloir que j'aille la soigner à mon tour. Non, mais Robin, ouais, elle, moi, Robin, elle est maquillée. Ah, quand elle veut, je suis son mais Batman. Mais moi, je suis en trouble avec son mec. C'est bon. Là, on fait un quatuor. C'est bizarre, il dit rien. Hein? Non, vous voyez qu'il dit plus rien, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On fait un quatuor avec Robin et son mec, avec Richie. Et Richie s'occupe de son mec et moi je m'occupe de Robin. 1-1-1. Contrat, ça. Ah si, c'est ce qui a été dit hier, oui. Non, c'est ce que t'as dit hier. Bah, et la phrase d'après, pareil, c'était ouais. Oh putain, il y a les flics. Ouais. Et la dernière phrase que j'ai dit, c'est Oh putain, je mange jamais. C'est trop drôle. Je suis en train de foutre le bordel avec le compte de l'exotique. Ah, c'est et en gros, j'ai pris. Bah, j'ai réussi à les semer 4 fois sur Eclipse Boulevard, là. Enfin, tout en haut, là où il y a le cinéma. Comment, près de la Pacifique. Ah ouais, ouais, j'ai réussi à les semer 4 fois, mais ils m'ont retrouvé à chaque fois. Et je me suis arrêté près de la place des Cubes. Alors, déjà, il y avait une prise d'otage. Et en plus de ça, j'ai tapé le cul de la bagnole. Et le flic, il m'appite, il me dit « Oui, bah tout cumulé, ça fait 10 000 dollars. » Oui, il m'habite, oui. Je me suis arrêté parce que je voulais, autrement je repartais, oui. Vous faites quoi de bol, être enfant? On se branle. Ok. On traîne au QG pour l'instant, mon pépito. Il n'y a rien de plus. Tu serais pas au service, vu que tu es tout le temps au service, maintenant que t'es à l'hôpital, bah tu serais avec nous. Mais bon, pour que la maman, je suis tout seul. Bah parce que là on est tous ensemble là, t'aurais pu nous rejoindre quand même, si t'es tout seul on s'en branle. Non, il en manque une encore, mais elle s'est pas encore réveillée. Il nous manque un truc de ROK ici aussi. T'es EMS en deuxième plan, je veux bien que tu gagnes des thunes, mais avant c'est Avalanche in the crew, ok? Bah ça c'est... Ah ouais mais tu sais, t'es pas là en attendant. T'es jamais là. C'est là, cet après-midi, vous pouvez pas dire le contraire. Non, non, t'étais à l'hôpital toute l'après-midi, toute l'après-midi, t'es venu avec nous. Ah non, il y a un moment, je suis venu avec vous. Oui, quand on allait voir les mongrels en fin d'après-midi, t'es resté une demi-heure avec nous, Pépito. Arrête. Parce que quand vous avez été faire une tête, sinon je serais resté avec vous. Ah oh ouais, le mec, il arrive en fin d'après-midi. Ouais, voilà, dis-lui, c'est honteux. Ouais, c'est honteux. C'est honteux, parce que du coup, tu nous mets la faute que on est parti faire une sieste. On n'aurait pas fait une sieste, hein. Je viens de chercher... Tu es revenu avec ton ambulance, c'est honteux. Et t'étais pas avec nous l'après-midi, Pépito, hein. On t'a pas vu plonger avec nous, hein. Eh bah bon, plonger, je rappelle que je peux pas. Ah, je sais, je te taquine, Pépito, t'inquiète. T'as pu être avec nous pour le reste.
pas pour la prolonger, mais pour le reste. C'est pas censé savoir quand vous êtes plus en train de penser. On n'arrête pas de parler radio, tu te fous de notre gueule ou quoi? J'étais pas... Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Occupé de nous prendre pour un clown. Mais plutôt, on est au parler radio quand on était en train de vendre les caisses. T'aurais pu venir vendre les caisses avec nous. J'avoue. Ouais, au lieu de faire le pingouin avec ton ambulance à côté de nous et nous faire peur, là. Ah, c'est parce que tu veux draguer Robin, c'est pour ça. Non. Elle est pas touché à Robin, elle, moi. Oh non, déjà... Non, elle... j'attache pas Robin. Déjà, elle a un gommé, Robin. Et c'est pas Richie. Quoi, je suis pas Richie, j'ai plus de talent et plus de classe, oui. Non, c'est... Non, mais son mec, c'est pas Richie, hein. Richie, il croit trop. Quoi, ah. Quoi Qu'est-ce qu'il a, psycho-couac, là? C'est plutôt qui parle là? Eh oh, Pikachu là, elle va sortir de la maison, Pikachu là, je suis devant, je t'attends. Eh bolos, je suis déjà en route vers le quartier, moi à pied hein. Et tu m'as pas vu. Oh bordel de merde! Et tu m'as pas vu passer. Let's go! Et tu m'as pas vu passer. À peine arrivé, c'est bolos. Laisse tomber quoi. Oh la folle là, tu m'as pas vu passer. Bah, lève-toi de boulot aussi non plus. Bah ouais, mon gars. Oh la folle et oh le fou. Ferme-la le bolos. Oh la folle. Mais qu'est-ce qu'il veut le chaponner encore là? Répéter, y'a tout, y'a tout. Bon, oh, ça t'es où exactement Amy, t'es où? Là, je suis au niveau du pont. Au niveau du pont. Ouais, tu sais, le pont qui passe sur l'eau pour aller au niveau des quais. Le pont d'Avignon, on y danse tout ça. Ah mais, comment j'ai pu, me, comment t'as pu ne pas me voir et comment j'ai pu ne pas te voir? Si, si, on va lui mettre une balle à Tommy, t'inquiète. C'est le bordel ce soir. Et ça y est, on est tous là, c'est la folie ou... Ah, ça fait du bien d'être tous ensemble. Non, je suis enjaillé là. Ah, je sais ce qu'ils vont... Comment ça, Wesh Bolos, je me tiens calmé ton site. Oh, 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 par centaines, oh, les Magnolia. Moi qui étais tout content de te retrouver, putain. Encore une fois. Oh, c'est ça va aller. Ah, c'est marrant, mais ça va dans l'autre sens. Ta gueule, Tommy, putain. Ah non, mais ça y est, ils sont vomis ce soir. Eh, hey, vous avez mangé du lion ou c'est les 10 000 balles qui vous excitent comme ça, là? Les deux. J'avoue, elle est où, maître? Oh putain, je vais l'écraser, lui. T'as votre uniforme, là? Pourquoi il y a tant de Dominator? Ouais, alors ça, tu t'arranges avec les autres Trouducs, là, qu'ils ont tous acheté la Dominator. Bah ouais, c'est... le tour des poubelles. Eh, votre deux Trouducs, vous connaissez, et l'identité, c'est le fait de pas avoir tout le temps la même tenue, la même bagnole. Merci. On est un groupe de... On est un crew, est-ce qu'on a un groupe de voitures américaines? Ils sont tous les bouffons. Il n'y aura plus ça quand j'aurai ma chère. Short, t'es où? T'es la moins chère, j'ai une autre voiture en vue, mais là, t'es la moins chère. Donc j'ai Jupe, au rapport. Et pour avoir une autre voiture, bah, du coup, on a pris tous la même à 15 000. Richauve, jupe, au rapport. Non, je vais pas vous êtes tout. 15 000, moi, désolé. Et si vous me répondez pas dans les 3 secondes, la prochaine fois que je vous vois, je vous mets un coup de couteau. C'est qui l'appelle jupe? C'est toi, bah, trou de balle. Jupe, tu peux lui répondre. Tu peux lui répondre. 10 000 balles. Ah oui, Richou, arrête de courir, le bolos. 15 000 balles. Attends, je vais le refrapper, la vie de moi, mais je vais le refrapper. Ta gueule. Non. Non. Ah. Ah. Voilà, Maravé Tommy. On l'envoie à l'hôpital ce soir. Ah, tu l'as cherché, ça. Coucou, toi. Bon, il faut qu'il arrête parce que s'il continue, il va finir à l'hôpital, Tommy. Dans pas longtemps, il est commun. Attends, je vais poser des questions encore. Ah oui, putain, mais tu cherches en même temps. Ah bah nickel, hein. Bah, nickel. Oui. Oui, mais contente de toi. Aïe, quel bordel. Ça fait plaisir, putain. Oh putain, je suis content, là, ça y est. Oh putain, ma mère. Oh, j'ai... Oh bonne mère. Comme ma foi, ah, ta gueule. Putain, con. Front de bois, vous moquez pas de l'accent, les gars. J'ai pas fait de remarque tout à l'heure, mais toi, de vos styles, ça te va bien, Tommy?
Ah, Tommy, oui, avec sa petite tête, son petit cuir. Ça, c'est de l'identité. Exactement. Le petit cuir... Le petit cuir moustache. Comme ça, je peux être le seul connard à mettre le Teddy. Voilà. Je l'ai aussi, mais je le mets que... pas envie. Putain, moi, je l'ai même pas le Teddy. Donc là, il fait chaud. Je pense. Je vais relever le Teddy, oui. Moi, tu crois que je suis bien en chemise, là. Ah, qu'est-ce qu'on fait, où? Bon, d'accord, de l'identité. Allez, elle veut de l'identité, je vais lui donner de l'identité. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à poil. Ah, voilà, là, on est sur l'identité, là. Ah. Oh la vache, t'as pas ton petit masque. Regarde les chaussures, regarde les chaussures. T'as pas ton petit masque? Tu t'es fait un costard. Ça, c'est la oui, parce qu'il y avait une, il y avait une soirée costumée, du coup j'en ai profité. Attends. Non mais oui, parce que j'ai le petit masque dans mon sac, t'inquiète. Attends-moi. Il y avait une soirée costumée, on s'est fait des tenues. J'ai peur. On dirait pas 50 nuances de graisse. Et salut. Au bal. Au bal masqué, ohé, ohé. Ruré qui fait trop 50 nuances de graisse et pour entrer dans la chambre rouge. Ah, moi, je t'emmène dans la chambre rouge, écoute-moi, tu ressors jamais. Tu sais pourquoi les rouges? Pas parce que je te fais des trucs sexuels, parce que je te torture dedans. Mais j'aime ça. Ça et je repeins les murs avec tout ton sang. Mais j'aime ça, ça me dérange pas que tu me tortures, je vais jouir. Bon, du coup, Bobby, il faut qu'il aille à l'hôpital voir Pépito, parce que du coup, je l'ai massacré, il a pris quelques droites. Mais ça peut attendre, c'est pas grave. J'ai... Ouais, il faut que t'ailles faire voir ta caisse. Mais ça peut attendre. Ouais. Moi, il faut que j'aille au prendre à graille et à boire. Wouhou. Et il faut qu'on mette des sous dans les putains de baraques pour payer le loyer, parce que c'est demain, sinon les pères. Ah ouais, c'est vrai, putain. C'est vrai. Attends, je vais envoyer, mais... Exprime-toi, Tommy, tu vas y arriver. Je m'ai envoyé mes sous à Jean. Ouais, moi, Pépito, il m'a envoyé des sous aussi. Question. Dis-moi, est-ce que le linge a été lavé? Pas une nouvelle encore. Ah, oui. Après, je peux toujours appeler. Il est pas là, ce bâtard. Oh, oh les bâtards. Non, mais t'inquiète. Ouais, Richie, envoie-moi 1000 dollars, s'il te plaît. Je te trouve un peu directif, mais vas-y. Allô? Oui, bonsoir. Et encore, t'as rien vu. C'est bon, je peux les envoyer. Quoi? Comment veux-tu? Ça très bien, toi. Arrête, je vais faire faut faire le cul. Ah oui, viens nous faire le cul. Allez, Pépito. Go. Oui, pardon, j'ai Pépito en radio qui veut nous faire le cul, donc je lui dis oui direct. Ah, d'accord. Dis-moi. On me demande à l'oreillette si le linge a été lavé ou pas. Qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça. Ouais, je crois que Quentin il attendait que vous soyez plus parce qu'il était tout seul avec OC tout à l'heure. Et qu'il y avait quand même. Pour 84 t-shirts. Pour 80, presque 82 cas t-shirts. Bah écoute, ça tombe bien, je vais lui demander. Là. Ah bah putain, je viens d'essayer de l'appeler, il répondait pas à ce trou de balle. Quentin? Quentin, je te cause. Hein. Le linge, il a été lavé ou pas? Ils sont pas prêts. On y va ce soir, du coup. Ils sont plus pressés que moi d'être payés, ils ont pas ma thune. Je m'en bats les couilles, j'ai 50 000 balles, mais ils sont tous pressés, là. Bah ça marche, bah on va y aller ce soir, donc c'est prévu. Ouais. Eh bah nickel, oui. Là pour le moment, c'est pas encore ça, mais... C'est leur première paye, c'est pour ça, ils sont tous surexcités, je pense qu'il y en a une, veut sa voiture. Elle est revenue, elle a pas eu sa caisse. Sa voiture, quoi. Bah y'a Amy, ouais. Ah, j'ai pas encore vu, moi. Elle est revenue, mais là, du coup, elle doit vouloir une... Elle veut s'acheter une caisse, je pense. Donc, je comprends qu'elle soit pressée, tu vois. Après, je leur ai dit, hein. Je leur ai dit, je savais que ça se ferait ce soir, mais... Non, exactement, je savais pas. Bah, écoute... Tiens bon courant, en tous les cas. Là, on est... Ouais, bah, c'est dès qu'on sera un peu plus nombreux, bah, là, on attend une personne ça de plus. Si on va aller voir ce qu'il les avalanches. Tranquille, ça marche. Bon, mais tu me tiens au courant. Ah quoi, elle est bien, ma sonnerie. Y'a pas de soucis, Bello. Non, mais je veux juste ça. Allez, à toutes. Mon Tommy, des bisous. Et toutes. Des bisous aussi.
Moi, je m'en doutais. Bon. Hein. Ça n'a pas encore été fait. Hey, ça n'a pas encore mais non, été c'est fait. C'est trop bien. Ça vient de Sonic Adventure. Ça n'a pas encore été fait. Ils n'étaient pas encore assez. Je sais que vous êtes pressé d'avoir votre première paye. Moi aussi, je suis pressé. Mais... Oui. Ok. En attendant, nous deux, on va passer à mon garage que je puisse t'embaucher. Oui. Comme ça, ce sera fait. Tu gagneras 50$ en n'étant pas en service et tu gagneras 200$ en étant en service pour l'instant. Et quand moi je remonterai à 300, tu remonteras à 250. Trop bien. Voilà. Quand tu auras un swap moteur, je t'apprendrai, je t'expliquerai. Le prochain, il sera pour toi. Je t'apprendrai, je te ferai voir. Et tu comprendras comment ça fonctionne. Je t'apprendrai tout au fur et à mesure. Sachant que pour un swap moteur, il faut tester la voiture. Brancher le truc sur la voiture, brancher l'ordi sur la voiture, voir un petit peu. C'est à nous d'estimer quel type de moteur on peut mettre parce que le PC il va beaucoup trop loin. Voilà. Prendre beaucoup de temps pour faire la mécanique. Beaucoup de temps. Il suffit d'avoir un cerveau. Ouais, ouais. Et il faut avoir la clé de la double des clés. En gros, si tu l'as en début d'après-midi, tu la rends en fin de soirée. Si tu l'as en fin de soirée, tu la rends le lendemain. Il faut quand même qu'on ait des équipes, nos équipes internes qui me bossent dessus, quoi. On passe 5 minutes de changer un moteur et de finaliser Edwin, le tour. C'est qui t'a filé la prime? Toi, c'est Darius? Yes. Ok. Hier, il m'a dit je vais venir chez vous, les gars. Quand j'ai vu ce qu'il m'avait donné, ouais. Du coup, je vais venir chez vous. Va récupérer ta prime, va faire voir ta caisse. Vas-y, hein. Ouais. Tu avais Tommy passe à l'hosto. J'ai reçu 2500 balles, c'est pas possible. Oh, Tommy passe à l'hosto. Moi, je vais amener Amy avec moi. On va passer au bout et on va passer au garage. Allez, let's go, baby. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Tu veux conduire? Moi, attends, si tu veux conduire, tu conduis. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, t'inquiète. T'as pas encore ta caisse. Ça fait un moment que t'as pas conduit, bon, on part en dernier. Plutôt, t'as l'osso. Mais j'arrive pour me faire soigner. Putain, une fois qu'on en a. Non, je vais pas manquer pas ouais, de ouais, toi. On va la. De toute façon, il faut que je ferme après moi. Je suis impatient. Ah, mais vous laissez une voiture là, vous savez que je vais fermer. Hein. Ouais, c'est la mienne, t'inquiète. On va passer d'abord chez nous, au garage. Je vais t'embaucher. Faudra que tu te fasses une tenue de mécano. Il y a les t-shirts de l'exotique. T'as pas compris que j'ai pas le choix. Sinon, je rends l'assurement d'Hippocrate. J'ai pas le choix de manquer de paix. On a compris que t'étais un hypocrite, ouais. Hypocrite, ouais. J'ai compris pareil. L'assurement d'Hippocrate. Mais non, j'allais faire la blague. Alors, je connais Magikarp, mais Hippocarp, je connaissais pas. Hein. Ah, très drôle, très drôle. Un mot. Enfin, je vais me taire. Quoi? Oh là là, mon pépito, vas-y, continue. Ma bite. Il allait dire le pépito, là. Mais il peut pas parce qu'il est à l'hôpital. Je t'aime, mon pépito, voilà. Tu le sais que je t'aime, mon pépito. Je suis obligé de te casser les couilles. Ouais, je sais, t'inquiète pas, mais vous inquiétez pas, ce soir, il y a ma supérieure qui me fait prendre un soir de repos. Quel? Quand on va tous bosser, il va prendre son jour de repos. Non. À l'hôtel, va prendre un jour de repos. On va pas bosser, on va aller vendre après. On va aller profiter de notre vie. Non, on va aller commencer à écouler la mette. Ce serait bien, je pense. C'est pas con. Exactement. Quand je t'aime, j'ai l'impression ouais, d'être alors, un te colle pas au mur. À fondant voilà. Au chocolat. Parce qu'il y a la pointeuse d'or. Putain, j'étais moi, pas attaché. Moi, je quitte les autres, je reviens après. Ça marche? Si, j'étais attaché. Non, moi, j'étais pas attaché. En gros, pour prendre le service, la pointeuse... Moi, j'ai l'impression de me voir à Noël dans la voiture de Richie. Ouais, c'est un peu que. Mais je suis obligé de prendre mon service pour. Elle grelotte. Je te fais faire le tour d'abord. Oula. Ouais, c'est qu'il y a un connard de concitoyen qui a mis sa voiture dans mon portail là. Là, en gros, c'est. Ah non, mais pas dans le portail la voiture là. Ah ouais, non, mais il abuse, ouais. Comment il a fait pour rentrer ça ici lui? Il a forcé le truc. Bon, bref, normalement, il y a juste une porte là-bas avec un atelier de peinture, donc on peut mettre les voitures dedans quand on bosse dessus pour le moteur. Là, il y a le vestiaire. Regarde-moi cette magnifique tenue de mécano, bim, pantalon couleur avalanche, bim, débardeur auto-exotique. Ras le beau gosse.
Allez hop. Donc normalement tu devrais avoir des t-shirts auto-exotiques aussi. Je verrai si dans ma boutique. Ici c'est pour les équipes de nuit et pour les clients. Là, on colle les voitures finies, verrouillées ici. Là il y a un petit stock mais il n'y a rien dedans. Mmh. Pour l'instant. D'abord l'atelier où la magie opère. C'est l'atelier où la magie opère. Bon, elle, tu t'en fous, elle est là, elle prend de la place pour rien, elle surveille. Je sais pas à quoi elle est payée, mais elle est payée apparemment. En gros, tu rentres les voitures la tête en avant. Et quand t'es sur le marqueur vert, tu enlèves le capot, tu la prépares pour soi, pour pouvoir connecter le PC dessus. En gros, sur le PC. Je vois pas de marqueur, mais ok. Oui, que c'est que quand t'es dans une voiture, t'inquiète. Ah, par contre, j'ai accès au PC. Oui, le PC, tout le monde y a accès. Tout ce qu'on a. Voilà, tu peux voir un petit peu tout ce qu'il y a comme moteur. Bon, les i, c'est de la merde. Hein. On commence à être bien à partir du premier V6 3 litres, mais... Tu verras que, en fait, quand tu branches une voiture, la voiture en mémoire, même si tu as déjà changé le moteur en mémoire, elle a toujours les données du moteur de base. Tu as des petites flèches à côté des puissances et des speeds des moteurs et des poids des moteurs, vertes ou noires, pour te verte si c'est plus puissant, machin, noir si c'est plus lourd, ou tu vois ce que je veux dire. Des petites flèches pour t'expliquer plus ou moins, mais c'est uniquement par rapport aux puissances des moteurs de base. Stock, c'est une page qui est propre à chacun. J'ai mon stock, t'as ton stock. Si tu commandes un moteur pour un client, c'est toi qui fais sa voiture. Moi, je peux pas la faire. Logique. Sauf si j'ai le même moteur en stock et que t'es pas là et que j'ai déjà ce moteur-là en stock, tu vois. Mais normalement, c'est chacun ses clients. Donc, store, c'est pour les acheter. Donc, t'as tous les prix des moteurs. On fait le prix du moteur, plus on prend 15% du prix du moteur pour la main-d'œuvre. Okay. Après bon, mais tutoriel, t'as le petit tutoriel, mais je t'expliquerai moi, ça sera quand même plus simple. En gros, il reste une porte à ouvrir, c'est là-bas le portail, il y a un code aussi, c'est pareil, enfin il y a un code et une clé, donc c'est à nous d'ouvrir, à nous de fermer. Et on a surtout l'outil le plus appréciable. Oh, on peut l'ouvrir les voitures. Le Karcher. Je savais que t'allais faire ça. Voilà, on a le Karcher pour nettoyer les bagnoles, et ça c'est bien. J'avoue, on n'a pas le payé. Ah non, on n'a pas le payé. Et là, du coup, il y a celui-là, voilà, qui s'ouvre, et il y a le fameux que l'autre il a forcé pour mettre sa caisse de mort. Avec du coup l'atelier peinture. Qui nous sert pas vraiment, mais les équipes de nuit, il y en a des fois, ils me demandent de mettre les voitures là-dedans, tu vois. Comme ça, ils bossent dessus. Okay. Et après, il y a juste le bureau, où nous deux, on aura accès à l'argent de la société. Mais pas les autres. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas grand monde d'autres. Il n'y a pas besoin de 100 000 personnes, tu vois. Genre peut-être une autre personne à la limite, mais pas plus, quoi. Ouais, un civil, tu sais, histoire d'avoir un civil qui bosse, quoi. Ouais. Hop, alors, sachant que cette porte est verrouillable, et la porte du bureau est verrouillable aussi. Là, il y a zéro dans les fonds de la société parce que comme je suis le seul connard à avoir fait du bénéfice, j'avais laissé 50%, mais au final, j'ai craqué, j'ai tout pris. Ah. Je veux marche Warzer. Oui, non, on fait payer les gens d'avance. Oui, oui, je m'en doute. Waouh, j'ai été rapproché. Tu es manager. Bim, bam, boum. Wow. Maintenant, tu gagnes 50$ quand t'es pas en service et 200$ quand t'es en service. C'est pas beau, ça. C'est trop bien. Là, t'as accès ça m'a aidé. T'as accès à tout le truc. J'ai pas encore accès, je pense qu'il faudrait que je fasse un petit somme. Argent de la société, tout le bordel. Non, j'ai rien. Ok, ouais, je pense qu'il faudra que tu fasses un petit somme. Ouais, ouais. En gros, on prend 15% du prix du moteur, ça tombe directement dans les coffres de la société. Après, t'as ton menu F6, ton téléphone F6, c'est pour ta tablette, c'est pour la facturation. Ah oui. Donc quand tu factures, en gros, je vais te faire une facture factice. En gros, tu regardes bien que la personne, tu vises bien la personne et tu lui mets une grosse patate, tu vois. Ouais, c'est bon, je connais le système en fait. Nickel. Bon, bah au moins tu sais. Faut pas avoir peur, tu le frapperas pas. Genre, moi j'ai eu peur au début, je comprenais pas, mais en fait faut pas avoir peur, tu vises bien la personne et on voit tout. Évidemment, ouais, c'est la société qui reçoit l'argent. C'est la société qui reçoit, tu mets achat moteur, tu mets le type de moteur plus main d'œuvre et tu coches inclure le nom de la société. Ça, on est tout propre, on est tout bon, on est tout carré. Nickel. Et en gros, bah, tu prends toujours le prix du moteur en avance. Comme ça, le mec peut pas se retourner à la fin et te dire « Non, bah, en fait, je veux un moteur moins puissant. »
Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, parce que sinon ils baisent la gueule, ils essaient de te baiser la gueule. Et du coup, là t'as le service. Normalement tu dois pouvoir te mettre en service. Oui, Go of Duty, voilà. Alors Go of Duty c'est pour quitter le service. Donc quitte le service parce qu'on va pas rester là. Moi, putain, moi je vais aller me changer. Ah mais non, mais je suis con, j'ai tout sur moi, j'ai tout dans mon sac. Allez hop. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je savais pas si je t'avais posé la question ou pas et... Comme je fais 10 000 trucs. Ne reste pas en service quand t'es pas au garage. Hein. Oui, bah oui, non, logique, logique. Alors ça, il faut éviter parce que ça appelle les flics quand t'essayes d'ouvrir une voiture qui est fermée. Bah ça va, tranquillou. Oui, bah c'est pas de ma faute, c'est les flics sont cons. Bon, après, on est au garage, donc ça va, c'est pas grave. On va passer vite fait au LS. Y'en a en service au LS, là, vous deux, là? Yes, on vient tous les deux. Tous les deux, ouais. Et bon, on arrive. On arrive pour faire réparer la caisse, mais heureusement que j'ai dit qu'on allait les vendre après. Hein. Bah ouais, oui, mais c'est temporaire. T'inquiète. Oui, oui, t'inquiète, moi j'ai fait ma voiture et puis il y a Tommy qui est là aussi. Qu'est-ce qu'elle avait ta caisse du coup? Bah moi je sais pas, j'ai fait le diagnostic et elle est bonne, hein. Elle a plus de 80 partout. Elle a plus de 80% partout, donc je comprends pas pourquoi elle... Bah, elle change rien alors. Hein. Bah non, j'ai rien changé, j'ai juste fait réparer la caisse, je vais passer un petit coup de dessus vite fait, voilà. Eh bah j'amène la mienne, comme ça vous allez pouvoir réparer la mienne, passer un petit coup dessus vite fait, et puis voilà. Vas-y, on y est. Allez. J'arrive. Vite. Elle est bien quand même, hein, full perf. Bah dis-toi que celle de mon frère, elle peut faire du 300 sur ce genre de route. Elle est bien, elle est bien. Et j'ai pas changé le moteur. Par contre, quoi, au niveau des freins, le 300, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non. Est-ce qu'il le garde quand même, le moteur? Ouais. Tu rentres direct, hein. Moi je le ferai pas parce que je vais la mettre en drift. Tu vois, c'est la caisse qu'avait tout, c'est la caisse qu'avait tout direct, à l'heure. En marche arrière sur le pont au milieu, s'il te plaît. On est d'accord, c'est la caisse qu'avait tout à l'heure. Oui. Oui, c'est celle-là, oui, exactement. Je connais la custom. Elle est à qui la noire et jaune? J'en sais rien. Ah bip, si, c'est au collègue. Bip, oui, je vois ou quoi, frérot? Bip. Ouais, putain, mais c'est incroyable. Bah, c'est lui qui avait tout à l'heure quand on est allé plonger, hein. Pourquoi on n'a pas mis le virage pour... Ouais, c'est cette caisse-là. Yamete ! Qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? Comment il va, le frérot ? Mais pourquoi on n'a pas le même garage ? Vas-y, je suis dégoûté, là. C'est trop bien, ici. Parce que ici, c'est un garage de... C'est un garage... Attends, laisse tourner le moteur et tout, s'il te plaît. Derrière la ligne blanche, s'il vous plaît, mademoiselle, sinon on va se faire engueuler. Mais la déco, elle est vachement mieux qu'en fait. Ça va, tête de pine ? Ouais, j'aurais pu passer une meilleure soirée que j'ai passée hier, mais... Ouais, l'hélicoptère, tout ça, on a vu, ouais. Oh non, mais il y a pas que ça. Ah. Y'a pas eu que l'hélicoptère. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Bah, Tommy, Océane, moi et puis un clampin, on s'est fait prendre en otage pour une flicca hier soir. Ah merde! Ah. Voilà, je me suis fait enlever devant le PDP, moi. C'était cool. Ah, des barres! Voilà. Non, mais j'ai pas besoin d'un diag, elle a été remise à neuf, j'ai pas besoin du diag, je veux juste faire la répa classique. Et fils de pute, j'ai pas bien assez caché mon calibre 50, donc Tommy et moi, on s'est fait niquer nos calibres 50. Ah, super! Ouais. Ah ouais. Mais bon, t'as club ça? Faut qu'il me refasse la carrosserie parce que bah comme elle a pété hier, l'assurance elle a fait refaire toutes les réparations mécaniques et tout ça. D'ailleurs faudra que je te l'amène aussi, voir que tu regardes si le swap il a pas été touché. Je vais regarder ça direct. J'ai pas l'air. Ouais, faudra que je vois ça au garage. Ouvrir le capot. Après j'ai pas trop forcé dessus sur la route, mais Darius il l'a fait rapatrier pendant la nuit, là les mécanos ils ont bossé dessus, mais il faut juste que je refasse faire la carrosserie, quoi. Yes. Allez, on dit que ça ira vite et tranquille. La jaune elle est à qui du coup? Tu m'as dit la jaune et noire là? Un collègue. Parce que il était là-bas tout à l'heure quand on a plongé. C'était cette caisse. La jaune et noire, y a pas 36 solutions, hein. Oui, non mais on est allé plonger cet après-midi. Okay. Il est vachement plus beau ce garage. On a fait nos 400 caisses, tu vois. Ouais. On a amené le sale, on les a vendus, on a amené le sale, mais en partant sur la plage, en 410 là, il y avait cette caisse. Ouais, bah oui, parce que ils sont... Voilà quoi. Mais C'est pour ça que je veux pas aller en 410 à la base. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit viens on va en 410, moi je vais pas là-bas à la base, mais bon. Prochaine fois on ira là où je veux aller moi, comme ça je suis tranquille. Oui, c'est un peu le but d'être chef, en fait. Oui, mais bon, je laisse quand même le crédit aux idées de mes hommes.
Tu sais qu'il y a Maintenant, toujours j'ai fait. Tu sais qu'il y a toujours Maclif où tu gares le Sand King. Hein. Ça fait au moins. Toujours depuis la cliff. Dernière fois, elle y est. Mais non, elle y est pas. Parce que j'y suis allé. Elle y est pas. Ah ouais j'y suis allé avec Harley l'autre jour parce qu'elle voulait pêcher. Moi, je devais plonger hier après-midi. Au final, on a juste papoté comme des cons toute l'après-midi fini, autour d'un feu de camp et il n'y avait pas ta cliff. D'accord, yes. Bah, je sais pas où elle est. Quasiment. Nickel. C'est super. Elle est pas en fou rire. Je sais pas du tout. Après, au final, elle avait pas grand-chose, hein. Je t'avoue que vu ouais, tout ce, que, non, tout va, ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai pas fait trop voilà. Gaffe. Donc... Vraiment, on est cool. Là, comme neuf, mon bébé, là. Ah bah oui, de même, faut la laver. Comme neuf, mon bébé, voilà. Ah, y'a une bouse dans l'atelier de lavage, là. Vous avez tous les trois la même bouse, alors ferme ta gueule. Oui, je sais. Tu serais choqué de... Moi, au moins, je vais pas prendre une domi. Merci, Amy. Ouais, mais ça resterait une bouse d'allemande, non sur la club. Et les Allemandes, elles t'emmerdent, connard. Je vais vraiment te faire le look à toi. Hein. Le stance que j'ai fait sur la club, ça l'a ouais. Rendu complètement pété. Bah oui, tu m'étonnes. Ça dis-moi une vitesse. Je sais pas, je vais pas jouer au bout. Non. 300 Non. Tu l'arrives 280 Non. 320 Oh, je suis mes boules. Putain, 321. Bravo. Ouais, bah on te remettra peut-être pas le même moteur si elle monte à 321 ta club parce qu'elle est pas censée monter à 321. Ouais, elle est incontrôlable à cette vitesse donc j'y vais pas. Mais. Mais pourtant, voilà. Je t'avais mis quoi je t'avais mis, je t'avais mis le V6 3 litres, le premier V6, le ridicule. Oui, mais c'est une club, ça pèse rien. Non, mais c'est surtout parce qu'il a écarré les pneus. Il a fait ce qu'ils appellent un stance, il a écarré les pneus. Regarde l'écart des pneus, regarde comment ils sont, il a écarré les pneus et en fait du coup la voiture elle gagne en puissance de ouf. Tu vois les pneus comme ils sont écarrés? Bah en fait c'est pas qu'elle gagne en puissance, c'est qu'en fait bah sur la route ça fait bam 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 bam. C'est pas prévu par constructeur ça monsieur par contre. J'en ai à foutre. Ah ouais mais le problème c'est que bah oui forcément qu'elle est incontrôlable du coup. Non elle est incontrôlable à haute vitesse, à basse vitesse ça va. Et bah non évidemment qu'à basse vitesse ça va mais après ça coup, c'est ouais, moi aussi un peu fatigué mais ça va non plus tu vois c'est juste tranquille. Que j'aime beaucoup cette voiture, c'est ma petite voiture de collègue quoi. Oui ça va faire des courses de rallye mais j'ai envie de faire le con à faire un swap dans la Briozo. Allez ah, monsieur vous pouvez me suivre s'il vous plaît, je vais vous faire la petite facture. Je crois que ça va être catastrophique si je fais ça. Ah, je pense honnêtement ça va, il y en a pas pour trop cher ça va. Combien? Avec le lavage, il y en a pour 350 balles. Oh, ça va, c'est que dalle. Ouais, c'est de l'entretien basique. Hein. Ouais, je suis qu'à 47 500, ça va. Ni 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 ni. Alors, ça vous fera 27 500, s'il vous plaît. Ma bite, ouais. Je vais appeler ton patron, je vais lui dire, écoute-moi bien, le petit jean, je vais lui faire le... Et il va te dire, tu te démerdes, oui. Il va te faire le HUC aussi si tu me fais payer 27 000 une répa classique. Et voilà mon petit monsieur. Et tout le monde s'est payé. Oui, je sais, j'ai le ticket qui a validé, oui. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche et c'est tout bon. Il nous ferme le garage et terminé. Yes. Rurik, ouais. Qu'est-ce que t'en penserais de mettre un gros i4 ou un petit V6 dans la Briozo Era? Dans la quoi? Dans la Briozo. La Briozo Era? Le kart sur route? Alors. Pèse ta mère? Ah bah non, c'est la mienne aussi. Mais puis elle est morte, donc je suis pas encore nécrophile quoi. Je sais pas comment. Je me tâte à faire un engin de mort. Un engin de mort plus démoniaque que ça encore, tu vois. Ultra maniable, ultra léger, mais... Arrête. Franchement, ça pourrait être rigolo, en vrai, ouais, mais... Non, mais ouais, ça doit faut juste pas prendre en compte son espérance de vie. Ouais, bah tu sais, depuis que j'ai la sentinelle et ça, mon espérance de vie, je regarde plus. Hein. Alors, depuis qu'on a fait un quintuple axel avec la sentinelle... On va dire que Rurik a fait boire la tasse à ma voiture après un... On a fait, non, un quintuple axel. Voilà. On a fait au moins un quintuple axel. Ah mais oui, mais tu l'as pas conduit toi, ma senti. Ah bah non, elle sait pas, non. Tu peux pas prendre soin de toi, espèce de bolos. Écoute, je suis rentré à 2,50 dans un virage, j'ai freiné, on est sorti à 190 dans les airs. Pourquoi t'es rentré à 2,50 dans et un c'est virage simple. Tu vois quand tu vas à Paléto?
Tu vois, non, pas les taux par l'ouest, tu sais? C'était 2,60. Mais non, non, 2,50. J'ai vérifié sur la dashcam que j'avais enregistré avec mon portable. 2,50 dans le virage. J'attends toujours le best-of, hein, d'ailleurs. Je rentre à 2,50 dans le virage. Je m'engage dans le virage. Je perds le contrôle. Je sens que je perds le contrôle. Je freine comme un fils de frein à main et tout. Ah bah oui, mais non. La voiture a glissé sur le rocher à 190. On a tapé la barrière de sécurité. On a tapé la barrière de sécurité et on s'est envolé jusqu'à dans l'eau. On a fait au moins 18 tonneaux en l'air. Là, c'est bon, on est surtout si vivant. Dans une machine à laver, tu sais, ça faisait oh. Ouais, bah oh, ouais, c'est ça. Non, mais ça peut nous arriver qu'à nous deux, ce genre de conneries. Ah non, mais. Bah oui, je confirme, oui. Il y a que quand on est tous les deux que ça peut nous arriver, ce genre de truc. La sentinelle, elle est terrible. C'est un monstre. Elle est trop dangereuse, la sentinelle. Il faudra que tu l'essayes à l'occasion. Et oui, 4 litres, 3, tu pleures. Hein. T'as le temps de la faire, du coup, la club ou pas, Jean? Bah, elles vont pas se faire comme ça, mais on peut commencer. C'est juste pour oui. savoir. C'est juste pour savoir si t'as le temps. De toute façon, les équipes de nuit bosseront dessus aussi. Hein. Ils oui, la oui non, mais je sais qu'elle va rester là cette nuit. C'était juste pour savoir si c'est toi qui attaquais ou ouais, si ouais, c'est t'inquiète. Quelqu'un d'autre. Ouf, tu fais quoi si c'est un autre, on lui laissera les oui, directives. T'inquiète. Bah, on va dire que bon, vous, je vous fais entre guillemets confiance parce que je vous connais un peu, mais en général, c'est Darius qui touche à mes voitures. Quoi. T'inquiète, on va pas la déprogrammer, ou on va juste refaire ce qu'il y a à faire dessus. De toute façon, comme il a dit Darius, je crois qu'il va falloir que je refasse un swap dessus. Je pense pas, hein, en vrai. Hein. Il y avait pas une erreur comme quoi... Aussi lisse que mon crâne. Il est censé être ouvert, le capot, là. Non, le capot, il est... Non, non, le capot, il a... Le capot, en fait, il a pas tenu, en fait. Il y a un capot dessus. Mais je vois pas la gravure, là. Essaye d'ouvrir le capot. C'est normal Vin, que tu vois pas la gravure parce que le en fait si tu préfères elle a été accidentée la voiture. Oui, essaye d'ouvrir le capot s'il te plaît. Essaye quand même d'ouvrir le capot. Je sais qu'il y est pas mais essaye quand même d'ouvrir le capot. Si tu veux que j'ouvre, je peux ouvrir un truc. Ouais mais y a pas la gravure. Alors excusez-moi, je vais juste remettre le capot. Y a pas la gravure genre. Oui non mais je peux t'assurer que j'ai pas roulé fort quand je suis venu mais je peux t'assurer que le moteur alors, n'a pas attendez. Été. Mettez-vous derrière la ligne blanche s'il vous plaît parce que le moteur n'a pas été. Le moteur n'a pas été endommagé je te le dis. Oui non mais. Mais si je vois mecs, ça me stresse Darius, de pas voir la gravure. Oui mais Darius il a fait marcher l'assurance en fait donc au final ils m'ont remis mot pour mot ce que j'avais. Quoi. Ouais, j'espère parce que y a pas marqué V6. Vas-y ouvre le capot. PPT. Ouvre le capal. Voilà, il y a ma gravure. Je vois ma gravure. Voilà, donc on est bon, il n'y a rien à faire. C'est bon, là je suis rassuré. Ça va mieux. Ah oui, moi je le savais. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi je sais pas. Je pense qu'elle aime bien. Oui, je pense que le bruit lui fait. Elle l'a fait kiffer, oui. Et c'est pas un petit canard en plastique de la baignoire, hein, c'est une voiture. Non, ce n'est pas un canard en plastique, Amy. Je vais revenir si je veux. Bon, c'est bon, la voiture, elle est prête. Content, c'est bon, je refais. Mais oui. Je suis rassuré, le petit V6. J'avais du mal à voir la gravure, tu vois, là, je vois la gravure. Je est-ce que t'es vraiment rassuré qu'il y a toujours un V6 là-dedans? Oui. Parce que c'est de la balle, cette caisse. Je vais devoir ressortir le monstre. Tu vas devoir ressortir la sentinelle. Bah j'ai pas le choix parce que je la roulais en ce moment elle mais... Je dois aller où mais il est sérieux là mais il faut qu'il ouvre la porte. Mais je vais l'enculer. Non mais c'est bon. Je vais l'enculer, il va la réparer putain, je vais l'enculer. La vie doit, mais je vais l'enculer ce chinois là. Et le chinois t'es mort. Mais t'as niqué la caisse. Mais regarde ça. Mais t'as niqué la caisse. Mon pare-choc. Elle est morte. Ah, alors, non, elle est toute belle, toute propre. Poussez-vous. Non, c'est pas un pare-choc. Mon pare-choc. J'ai rien c'est touché. C'est pas un pare-choc, c'est un plat. Ouais. C'est un mur. Là... J'ai ah rien oui, touché. Non, mais là, il y a une petite. Mais oui, il y a un accrochage au pare-choc, putain. Alors, vous allez m'expliquer comment qu'elle peut être touchée alors que j'ai rien touché. Ah, bah nous, on t'a vu toucher à la mort. Hein. Ah, nous, on t'a vu éclater attention, la porte. Poussez-vous. Hein. Non, mais nous, on t'a vu éclater la porte. Alors, oui, ça, c'est la sentinelle qui arrive. T'entends qu'elle fait pas le même bruit que la mienne? C'est normal, je la vois oui, défoncer contre, la voiture. Ouais, on la voit tous défoncer. Ouais, à part Vin. Ici, il a des roues. Ah oui. Vin. Oui. Bah, où avec Amy, tu la laisses conduire jusqu'au bout? Je la récupère là-bas, je dois passer au bout.
Comme ça, elle teste ta voiture. Bah, elle va pas vraiment profiter de la puissance, mais ouais, si tu veux. Ne te casse pas la tête, c'est mal la connaître. Donc, tu vas voir que la mine est juste à côté de la sienne. Oui, elle est pétée. Oui, oui, elle est pétée, on la voit tous non, pétée. Non, elle est vraiment pas pétée, les gars. Bon, d'accord, ah, si, bah si, écoute. Si, je peux t'assurer une chose, c'est que le pare-choc après, il est destroy, hein. Je te le dis tout de suite. Je vais vous envoyer une photo. Mais toi, pour toi, pour toi, mais. Bah oui. Bah oui, mais et pas pour moi, nous. Moi, j'ai rien touché. Mais si, tu t'as éclaté la porte du LS Custom. Attends, faut qu'elle rentre dans le garage. Tu peux éteindre les. Elle sait pas faire, elle connaît pas. En vrai, Richie, je pense que c'est parce qu'on n'était pas tous à côté de la porte et qu'on voyait la porte fermée. Il y a un problème de perception, tu vois. Ouais. Non, mais je vais remettre un petit coup. Putain, elle est. Ah ouais. Merde, elle est éclatée. Ah bah là, je la vois péter, ouais. Deux marteaux dedans, là. Ah bah si on dit qu'elle était toi, là, je vais la voir abîmée, là. Je vois que... Bah, moi, je le vois que le côté droit, côté conducteur, si tu préfères. Mais non, vraiment, j'ai vraiment... En plus, j'ai pas touché la porte, là-bas, mais... Bah non, t'as vu éclater la porte. Ouais, bah... Tu sais, on connaît bien les problèmes de vision. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un problème de perception. Mais le problème, c'est que si tout le monde la voit éclater, elle va être éclatée. Ça me fait chier alors que je viens de la faire réparer. Fallu, que... Il aurait peut-être fallu que je la mette dans un garage et la ressortir. Putain, c'est qui ça ? Non, c'est juste qu'il fallait qu'on sorte, nous, en même temps, tu vois. Yes. Alors, Amy, incroyable, hein ? C'est très sympathique. C'est trop dangereux. Oui, mais c'est ça que j'aime. Mais pourquoi tu crois que j'ai fait un quintuple Axel avec cette merde ? À la base, je voulais mettre la même chose dans la mienne, mais au final, je vais la préparer au drift. Tu penses qu'un V8, ça rentre là-dedans ? Bah, elle a un V8 4 litres 3. Tu penses qu'on peut mettre le 5 litres ? Je ne mettrai jamais le 5 litres dans une Sentinel XS. Jamais. Et je ne mettrai jamais plus de V8 4 litres 3 dans une Sentinel XS. C'est un modèle unique. D'accord, c'est bien reçu, patron. Au grand maximum, j'ai mis le plus gros V6, le V6 6 litres. Mais je veux plus mettre de V8 dans une Sentinel XS. C'est trop léger, c'est trop dangereux. Même pour nous-mêmes ? Même pour moi, je le ferai pas. Et voilà. Et pour moi alors ? Non, vraiment, c'est trop dangereux. J'ai pas envie qu'on se fasse pourrir. Toute belle, ou... toute belle. Je l'ai conduit, hein, la caisse. Il monte à plus de 300 avec. Hein. Plus de 300, c'est trop. C'est beaucoup trop. Je sais que je suis pas une personne très raisonnable. Et non, non, mais j'ai pas le swap pour ça. Hein. Faut pas faire des dingueries. Hein. J'ai envie de me faire fermer le garage. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'était ma première, c'était un test, mais merci. Voilà. Merci Richie. Moi j'arrive au... Je repars du garage, elle est comme neuve, j'arrive au... Oui, j'ai pas envie de me faire fermer le garage. En vrai, à la base, je voulais le faire sur la mienne aussi. Et après, je me suis calmé. Je me suis dit non, c'est trop, tu vois. C'est vraiment trop pour le coup. Alors tant pis, je lui laisse comme ça. Il a un modèle unique. Je savais pas. Je connaissais pas encore bien comme il faut mon métier. J'ai testé. C'était un test. C'était rigolo. Mais moi, je mets pas de moteur dans la mienne parce que je vais la préparer en drift. Donc, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Je suis trop con. Je me suis trompé de côté. Moi, là, j'attends pour me payer la Schwarzer. Et dans la Schwarzer, par contre, je mettrai un 5 litres. Je mettrai un 5 litres, un V8 5 litres 4 dans la Schwarzer. Le plus gros V8. Encore, si je veux, c'est une sportive. Je peux même lui coller un... Ouais, oui, oui. Une sportive, la Schwarzer. Hein. Ouais,
Techniquement, j'ai la place, j'ai coulé un V12. Hein. C'est vrai. Je sais pas ce que je vais avoir à la place de rentrer dans ma caisse, moi peut-être un V6. Vous dépensez que. On va aller au concess, après tu vas me dire ce que tu veux. Ouais. Mais la caisse que je veux pour toi, c'est la gestion RR, je pense que je pourrais foutre un V8 max dedans. Gesteur RR, je te connais un V12 dedans, t'as vu la place qu'il y a dans la caisse? Oui, alors oui, j'ai. Le capot est énorme, la place à l'avant est énorme. Ça se travaille. Mais le problème, c'est pas la place. Le problème, c'est le poids de la voiture. Les gars, vous pouvez juste deux secondes? Le problème, c'est qu'un V12 dans la gestion RR, on va juste fabriquer une essence en fait. C'est pas grave ça. T'as raison, c'est pas grave. Mais tu sais que si j'arrive à coller un V12 dans ma Schwarzer, ça va être un monstre. Hein. Bah, je sais combien. Oh le bruit qu'elle va faire. Non, la Schwarzer, je lui collerai un V8 5L4, je vais pas abuser. Par contre, le jour où j'achète. Une Schlagen GT. Là par contre ça peut être pareil. Là par contre je vais y coller un V12 6 litres. Attends, je vais dire à mon frère qu'on y va. Frérot, on y va, nous on passe à la concession. Oh, une 8F Drafter. Oh, elle est belle, je vais la voler, elle est à qui? Ah mais non, j'y touche pas, je sais à qui elle est. Elle est à qui? Elle est à Nini, la patronne du. Et c'est la 8F de Nini ça, non? Oui, c'est celle de la femme de. Attends, mais. Elle est là, Nini? J'ai même pas vu qu'il était ouvert, le houhou. Je sais pas. Je suis un connard, j'ai pris au distributeur. Oh, je suis un bâtard. Il est ouvert? Mais je suis une sombre merde, j'ai pris au distributeur alors qu'il y avait Nini. Il est incroyable son café. Hein. Par contre, il est ouvert, il y a sa 8F, mais elle est pas là. Pas normal. Ouais, peut-être qu'il y a dans l'arrière-boutique. Mais comme un connard, j'ai pris au distributeur. Oh là là. Elle est belle sa 8F. Ouais. Oui, le jour où je prends une Schlagen GT ou une 10F, j'y cause un V12 6 litres. Je vais la faire décoller la voiture. Bon, mon frère, il est occupé. Je dis 8F, V8. 8F V8, ouais. Mais dans la 10, V12. Hein. Ah bah, V12. Allez, let's go. On va passer au concess, on va regarder pour ta caisse. Ouais. Pépito, je suis avec Pépito là, il me dit que tu dois pas oublier pour le loyer parce que ce serait bête que tu pars de la maison. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'il vient de me dire. Oui, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on est parti du QG. Pour info, je m'ennuie au paletto, au garage, sachant qu'il n'y a rien à faire et je suis payé une misère. Je suis occupé d'essayer de voir avec le médecin pour voir pour me faire recruter. Ça marche. Ouais, puis comme ça, toi et Pépito, vous serez pas tout seul. C'est un truc que j'aime faire parce que c'est un de mes anciens métiers. L'esquive du poteau qui tombe. Ouais. Ah, c'est dingue, hein. Je me suis opéré du cerveau, pourtant j'ai toujours les mots de tête. Des fois les trucs ils veulent juste pas être clairs, tu vois. T'as décaché depuis ou... Ah, j'ai pas redécaché. Peut-être ça aussi, hein. Ouais, mais je devrais pas avoir à décacher aussi souvent si je peux me permettre. Ouais, mais comme t'as changé de. Tu vois? Comme t'as changé tes lunettes. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, je vais peut-être mettre une nouvelle paire de lunettes, du coup, maintenant que j'ai la capacité. Jake, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Rurik. Ah,
Tu m'entends quand je parle à la radio peut-être? Non mais je t'entends quand tu parles normal, mais si toi tu m'entends pas apparemment. Donc moi je vais parler radio pour te répondre. Deal. Alors deux secondes, parce que du coup ça va pas charger évidemment. Le catalogue rolling. Alors, voyons voir ce qu'on a. Tant pis pour ma Schwarzer. Rurik va faire un cadeau à sa sœur. Vista Cornjo dans les compacts à 25 000. Pfff, cher. Ouais, enfin, Vista Cornjo, est-ce que c'est bien que ça? Auto, c'est une propulsion. Enfin, c'est même pas une propulsion. C'est une traction. Richie, tu peux lui faire la facture de 8 223 $? Ouais, c'est marrant une Kanjo. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On retient la Kanjo. La Penumbra, normal. Un poil cher, mais ouais, elle fait des trucs sympathiques. Combien? 38 500. C'est combien tu m'as dit? 8 223? 8 223, oui. Ok. C'est la dernière sportive abordable, sinon après ça part directement sur le 53 000, donc... Ouais, je sais, ça va vite cher les sportives. Dans les... Ils appellent ça les sédans ici, mais c'est les... Putain. Les sédans de Berlin. Les berlines. Ouais, c'est... Primo custom, techniquement, ça pourrait être faire des trucs marrants. Combien? 24 200. En cas que vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas à m'appeler, hein, je suis dispo. Hein. Donc si on récapitule, on a la Primo custom à 24 200, c'est la moins chère du lot. On a la Blista Kanjo, je sais pas quoi. Et on a... l'autre sportive qui a plus de 30 000, c'est ça? Ouais, attends, je recheck. La Blista Kanjo, elle est... Tu connais mieux Rurik en véhicule, essaie de voir pour un véhicule. Elle a 25 000, la Blista Kanjo. De place, assez sport, type peu sportive. Non, mais je suis avec pas qui, je suis avec très cher pour moi. Je suis avec... Oui, non, mais je suis avec Amy, elle est en train de... je suis en train de checker pour une voiture pour elle déjà. Parce que je te rappelle que vous avez tous une voiture, on a tous une voiture, voire même deux, pour Pépito et moi, et Amy n'a pas de voiture. Amy, je vais pouvoir lui payer sa caisse, c'est pas un problème, mais je pourrais pas en payer à quelqu'un d'autre. Mais juste le prix. Je veux pas de la payer, c'est juste pour savoir le prix. Une sportive assez classe, auquel tu pourrais mettre style un V12. Je cherche pas, c'est des prix au-dessus de 100 000 direct. Donc là, 185 000, normalement, tu peux mettre un V12 et ça passe tranquille. Oui. Je suis en train de calculer. Je me dis, on n'a que 1,4 places et c'est la Intruder de Pépito et c'est de la DUM. Pas ouf, c'est Intruder. La Blista, je suppose que c'est une 2 places. Et si c'est pas un des patrons, tu le fous... Ah bah non, c'est le collègue. Une de place, la Blista, Amy. Celle de combien de cités, c'est des deux places. La Primo, c'est une de place. Mais la Primo, c'est plus une, un véhicule de Sweet Gang, tu vois, c'est pas un truc perf, c'est un truc stylé comme un, bah, comme un rider, en fait.
c'est que dès que tu pleures en perf, en fait, ça... C'est un truc un peu pour faire performance à te... J'entends pas bien. En train de checker le catalogue aussi. Tu sais, ouais, en fait, dès que tu veux un truc à part directement ultra cher. Hein. Hey Jean, pisse pas. Ah, tu pisses à la poubelle. Ouais, d'accord. Et une Futo, ça t'intéresse pas? Futo classique? Il n'y a que la GTX qui t'intéresse. En fait, c'est que ça va vraiment être des véhicules à par accès drift, quoi. Eh ben, ce sera tes premiers véhicules. Et quand tu auras les thunes et que tu auras un deuxième véhicule, tu les passeras, tu les feras transformer en prépa drift. Ouais, mais franchement, quitte à avoir un véhicule qui la Camjo. Comme alors, ce que t'appelles toi du drift ici, c'est pas du drift. Parce que je veux dire, oui, la voiture elle glisse un peu du cul, mais c'est pas du drift. Avec les prépa drift, vraiment, tu mets les voitures en travers. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais... Pista Camjo. Ok, j'achète. Attends, quoi? Ah, nous, on a bientôt fini, on va pas tarder à être free, là. Allez, prends-la. Prends-la, tu vas au garage public et je vais te la transférer. Elle a pris quoi du coup? Je lui offre une Blista Kanjo. Mais d'où tu m'achètes une caisse? Allez, direction parking central, je te transfère la carte grise et après tu démerdes pour la custom. Je viens de lâcher 25 000 balles dans ta caisse, putain. 25 000 balles en moins pour la mienne. Mais je t'ai jamais demandé de faire ça, bâtard. Ah, mais ils vont tous m'envoyer des sous, t'inquiète. Oui. Dès que t'as la voiture, tu passes au LS Custom. D'accord. Bon bah on va au parking que on va au parking là et on arrive. Voilà. Alors deux secondes, où est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a aucun marquage au sol. Viens descendre là, t'inquiète. Viens là. Là où je suis. Vas-y, descends. Je sais que vous n'avez pas aimé, moi c'est le genre de véhicule qui me fait mourir de rire. Non, c'est un bon véhicule en vrai. 29 hein. Oui, 29. Voilà, c'est ta caisse. Merci. Merci tout le monde. Ouais non mais... Eh là, ceux qui participent pas à la custom de la bagnole, ils vont me devoir des thunes, moi je vous le dis, hein, je vais pas payer tout seul 25 000 la voiture de Amy. Hein. On avait dit que c'était collectif pour le payer sa caisse. Hein. Ouais, t'inquiète. Allez, direction le LS Custom, Amy. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui sait à quoi ça ressemble une Blista Kanjo au moins? Alors, moi j'avais pas fait gaffe, mais maintenant que je la vois, très bonne caisse. En fait, comme on les voit que de la face avant, tu te rends pas compte. Ouais, quand tu vois que l'avant, tu te rends pas compte. Mais maintenant que je l'ai vu en entier, très très bonne caisse, Madame Civic. Bah écoute, on s'y connaît pas. Une japonaise sympathique, ouais. Non mais ça, c'est pas du drift. Quand tu feras une voiture avec une prépa drift, tu vas pleurer. Non, c'est pas du drift, j'essaie juste à la fin, pardon. Ça, c'est pas un drift, ça t'inquiète pas. Oups. Ouais, j'avais pas fait gaffe à ce que c'était, mais maintenant que je la vois, oui, je sais ce que c'est, ouais. Je vais aller décacher un petit coup après parce que, ouais, oula. Hein.
Faudra que tu remettes sonnerie et fond d'écran de téléphone et tout. Hein. Je suis pas sûr que je fais la même en vrai, mais de l'argent virtuel, on s'en bat les couilles, ça me fait chier, ça me retarde un peu pour... D'un côté, ça me fait chier parce que ça me retarde pour la Schwarzer. Je perds de la thune, hein, forcément. Mais je peux pas la laisser sans voiture, en fait. Et elle est sur le projet avec moi depuis le début. Et avec Amy, j'ai eu l'idée d'Avalanche, donc... Alors... Et où ? Tu lui payes sa custo, Jean ? Hey, Jean. C'est le patron d'Exotic Car, non ? Oui. Dis-moi, j'ai besoin de juste savoir un tarif, s'il te plaît. Vas-y, dis-moi. J'ai une Kanjo SJ et je voudrais savoir ça coûte combien, soit. J'en sais rien, j'ai pas testé le véhicule. C'est pas dans les mains, je le connais pas. Faut que je teste le véhicule, que je vois ce que je peux mettre dedans et après je pourrais te dire. Si je te laisse le véhicule, oui. Je te laisse mon numéro, on se recontacte demain. Est-ce que tu peux me donner le... Non, il faut juste qu'on fasse un petit tour, tu vois, on fait un petit tour, on passe au garage, branche la balise, une fois que je l'ai un peu roulé avec, je sais, tu vois. D'accord. Non, c'est juste parce que là, je vais aller dormir, tu vois. Si c'était là demain, après, on peut se capter demain. Là, dans l'après-midi, demain ? Non, dans l'après-midi, non. Plutôt... Parce que moi, je suis là jusqu'à... En gros, je suis là du début d'après-midi jusqu'à 18h. Oula, là. Et après, il y a les couleurs déjà sur l'intra. Gris. Et après... 7-2-7-3. Et après, je suis là de 20h jusqu'à... On les a pas en RGB, on les a que en X parce que le RGB, ça marche pas. Alors, je sais pas comment qui marche le X. Eh ben, démerde-toi. Ouais, vas-y, on va faire un petit tour en vitesse. Commande ta caisse, on va faire un petit tour en vitesse. On va voir vite fait au garage, là. Et... Elle est là, de toute façon. Comme ça, je te donne un ordre de prix. Yes, y a pas de souci. C'est quoi, c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même caisse que la vieille. Non, c'est la jaune et noire là. T'étais à la plage tout à l'heure, toi. Non. Non. T'es pas parti à la plage dans l'après-midi ? Ou y a quelqu'un d'autre qui a ta caisse ? Ah ouais ? Je sais pas. Elle était comme ça là ? Un peu beaucoup, ouais. Putain, ça. Parce que si, tant que je connais pas un peu la voiture, tu vois, le niveau rapport poids, glissade, tout ça, je peux pas... Comment la voiture a son truc, elle se comporte comme elle se comporte, plus il y a ce qui me dit l'ordinateur, en gros. Et d'accord. Si je sais pas comment se comporte la voiture, tu vois, ouais. Je peux pas déterminer ce qui est le mieux à mettre. Parce que l'ordinateur, il va me dire, tu peux mettre des trucs, frère, je mets pas, tu vois, je peux pas mettre en vrai. Après test de la voiture, je peux pas mettre. Donc je peux jamais m'avancer sur un prix. Je teste toujours le véhicule avant. On va faire un petit tour vitesse max autoroute. Ouais, vas-y, t'inquiète, vas-y. Attends, t'as fait les stents sur les pneus toi aussi. C'est ça. Ce sera une voiture d'un véhicule de parking, mais je vais gagner quand même un petit peps, tu vois. Il y a moyen de lui faire du bien. Ah ouais, non, elle monte pas à plus de 140. Attends, on était en montée là. Ah, parce que j'allais dire, putain, galère 140 là-dessus. Non, c'est parce qu'on était en montée. Mais j'ai déjà fait une petite pointe à 175, 180. Ok, il y a quand même un peu de place. Là, en ville, quand même. En ville, tu vas plus vite. Le béton, il est pas assez usé sur l'autoroute. C'est ça. En ville, il est tellement plus lisse que la voiture prend de la puissance directe. Mais bon, j'aime bien faire les tests sur autoroute parce que c'est là que tu sais la vitesse réelle du véhicule en fait. Tu peux l'exploiter à fond et tu sais que tu rajoutes facile 20 km/h par rapport à quand t'es en ville quoi. D'accord. Ah, tu vois, on fait du 160, je sais que tu vas pouvoir faire, voilà, comme tu m'as dit que tu étais déjà monté à 180, il y a 20 km de différence. Par exemple, mon frère, il a une Sentinel XS, ouais. Il a un V8 4 litres 3 dedans, je le ferai plus jamais, c'était un test et je le ferai plus jamais. Il prend du 300 en ville et du 270-280 sur autoroute en vitesse max, tu vois. Ah ouais, okay. En descente avec la voiture poussée à fond et tout, hein, attention.
Donc, ouais, je le ferai plus jamais. Hein. Mais il y a quand même 20-30 km/h d'écart avec la vitesse en ville, tu vois. Ça va, ok, un petit 163. En vrai, de vrai. Je vais voir la place que j'ai dedans. Mais je pense qu'il y a moyen de faire une petite dinguerie avec. En plus, elle est renforcée, il y a les arceaux et tout. C'est ça. La caisse est lourde. On peut aller taper dans du V8. Hein. Yo, Rick. Ouais, dis-moi. Le V8, je trouve que ça va être beaucoup. Il y a un flic qui vient de me voir, et ils sont à la recherche, il est à la recherche de Vind. Et t'as dit pourquoi il recherche ? Non, il m'a pas dit pourquoi. Ok, mais, je l'appelle. Ouais, et une certaine Inaya. Ouais, alors... savoir s'il avait la... si j'ai reçu l'appel de certaine Inaya. Donc le mec, le flic m'a dit d'être discret. Ouais, je vais prévenir mon ref, Cimer. Après V8, il y en a plusieurs. Hein. Il y a 3 V8 différents. Ah oui, oui, j'ai plusieurs... pardon, excuse-moi, c'est la radio en même temps. J'ai plusieurs modèles de plusieurs, plusieurs moteurs. Le V8, il y en a plusieurs. Il y a 3 V8 différents. Après, une fois que moi t'es décidé, je te fais la facture, on le commande. Et je te garde la voiture toute une nuit pour la préparer, faire ce qu'il faut dessus. Fin... Oh putain, mais ils me cassent les couilles à mettre leur voiture de merde ici, les concitoyens, là. Alors, je vais faire le tour pour pouvoir t'ouvrir le portail et me mettre en tenue. Je te laisse rentrer dès que le portail est ouvert. Il y a un petit garage derrière, tu mettras la voiture en avant. Il n'y a pas de souci. Il y a des marqueurs au sol. Dès que le marqueur, dès que tu la mettras sur marqueur vert, tu pourras t'arrêter. Ok. J'étais encore en service, je suis un espèce de connard. Ça va, elle est lourde, elle se comporte bien la caisse. Bon marqueur vert. Yes, c'est bon. On peut tirer le capot. La balise. T'en prie, hein, rapproche-toi. Hein. Ouais, du coup, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. On peut lui coller n'importe lequel des 3 V8. J'ai un 4 litres, un 4 litres 3, un 5 litres 4. D'accord. Si vraiment tu trouves que c'est trop gros, il y a le V6 6 litres. Il te donnera un peu plus d'accélération que de vitesse max. D'accord. Au niveau des tarifs, on est à peu près à combien pour le minimum et le maximum ? En minimum, je te mettrai le plus gros V6, c'est à 42 000, sachant que je prends 15% du prix du moteur, je te calcule ça dessus. Donc, pour le... Pour le V6 6 litres, ça fait 48 300 avec les 15% de main d'œuvre. Or ouais. 48 300 pour le V6 6 litres et pour le V8 4 litres. Ouais, j'enverrai de la thune à toi, Rick, ou à Jean pour la participation pour la voiture d'Emi. C'est 69 000 pour le plus petit V8. Alors, attendez, je note ça. Et tu m'en enverras à moi. Ça roule. Parce qu'il y a quand même, il y a, ben, tout dépend combien ça coûte, mais il y a quand même 25 000 balles que je viens de sortir pour la voiture. Ouais,
t'inquiète. Je lui paye la cuisson s'il faut. 69 000, tu m'as dit pour le... 69 000 le V8 et 48 300 le V6. Je prends juste des petites informations. Oh ouais, tranquille. Pour que je puisse justement regarder un peu une fois que j'aurai les thunes. Là, actuellement, si je veux plus petit V8, le petit V6, il me donnera combien en accélération à peu près? Ça va dépendre de la caisse. Le problème, c'est que j'en ai jamais fait des comme toi. Par contre, il a plus d'accélération que de puissance max, le petit V6. D'accord, ok. Je veux. Après, en vrai, ouais, non, sur ta caisse. Moi, je cherche pas un truc extravagant. C'est vraiment un truc pour le plaisir personnel, pour avoir un peu plus de pep. Ah, pour le plaisir perso, à mon avis, avec le V6 litres déjà, tu vas taper du 2.10, 2.20, voire 2.30. Sur autoroute, je parle. Ouais, ça va. Ça peut largement suffire en vrai. Si tu cherches pas un truc giga puissant, ça peut largement suffire. C'est peut-être même mieux. Ouais. Sachant que c'est le plus gros V6, c'est le 6 litres, donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Derrière les autres garages, ils peuvent te faire transmission, frein, tout ça, sauf si c'est déjà fait. Ça bouge pas. D'accord. Ils peuvent te mettre le turbo aussi. Donc derrière, tu peux encore gagner un peu en puissance. Ok, d'accord, ok, ok. Et j'ai un accord avec les autres garages, ils touchent plus les reprog moteurs, tu vois, c'est tout. Par contre, tout le reste, transmission, turbo, frein, suspension, ils font toujours. D'accord, d'accord. Donc si c'est pas fait, tu peux le faire derrière. Bah écoute, y a pas de soucis, de toute façon, bah, je te tiens au courant. Je sais pas si j'ai ton numéro de téléphone. Alors, je pense pas. Envoie le tien, je vais t'envoyer le mien. Hop. Merci. Dans tous les cas, tu me tiens au courant, tu m'envoies un message quand t'as la thune. Tu me prévois juste un double des clés. Ça coûte 500 balles au mec à côté de ça, à côté de la concession. Ouais, j'ai vu. Ah, y a pas de souci pour les clés. Tu me prévois juste un double comme ça, moi, tu sais, je peux la sécuriser la voiture derrière. Même si elle va passer la nuit à l'atelier, au moins je sais qu'elle est fermée. Et le lendemain, elle est prête, je la mets prête devant. Et quand elle est devant fermée, c'est que tu peux la récupérer, tu peux partir avec. D'accord, y a pas de souci, t'inquiète. Juste que je trouve quelque chose pour me faire des thunes, parce qu'en ce moment, je suis à plonger, mais les tarifs. Ah, c'est pas fou, hein. Ils ont fait une chute, mais. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et voilà. Bah écoute, on se tient au courant. Ouais, ça marche. Est-ce que tu retournes au LS? Je te ramène là-bas, vas-y, viens. Ouais, si t'es chaud, ça m'arrange. Vas-y. Je vais juste quitter mon service le temps que tu sortes d'ici. Vas-y, ouais, parce que j'ai ma caisse là-bas. Ouais, je pense qu'avec le plus gros V6 là, le 6 litres, elle va être pas mal déjà. Hein. Oui, bien sûr. Moi, c'est juste vraiment pour donner un peu plus de peps. Parce que le fait que j'ai mis les amortis dessus, on va dire qu'elle a un peu perdu. Ah, les amortis, ouais. Ça va, que la porte soit. Mais après, comme je dis, en fait, j'ai parlé un peu avec Darius, voir si c'était possible de faire quelque chose de bien, tu vois. Et effectivement, on m'a conseillé de laisser un peu. Bah, ce genre de véhicule pour un véhicule de tous les jours, du coup je l'ai mis en stance. Ouais, il est stylé comme ça. Avec un peu plus de patate, tu vas te régaler. Hein. C'est sûr. En tout cas, moi je l'aime bien comme ça. Ouais, elle a la classe. Le stance lui va bien. Les amortisseurs abaissés lui permettent d'être alourdi. C'est ça. Vu qu'elle est full protégée, elle résistera largement au V6 ou au V8. Ça, c'est le genre de voiture. Moi, j'ai mis un V8 5 litres 4 parce que je suis un gros malade, tu vois, et parce que je veux vraiment que la voiture, elle aille à balle. Mais un V8 mais parce 5 litres 4, supporte. Tu montes à combien avec ça? Tu peux monter à 270, 280. Donc, tu peux prendre du 300, 310 en ville, dans les cas. Ah bah oui. Par contre, c'est 80 500 $ le moteur, tu vois. Moteur plus main d'œuvre. C'est pas le même prix du coup. Du tout. De toute façon, t'inquiète, je te tiens au courant. Ouais, je ouais, trouve quelque chose qui me fasse tranquille. Un peu de thune. Parce que là, effectivement, comme je l'ai dit, avec la chute des tarifs au niveau de.
Ouais, c'est compliqué. La plongée, putain, c'est, ça a fait une chute. Donc on va dire que c'est un peu plus compliqué cette compliqué fois. De ouf. C'est ça. Eh ben, voilà. Nickel. Bah écoute, tu me tiens au jeu. Oui, y'a pas de soucis. Allez, je vais me rechanger. J'ai ton numéro de téléphone. Ouais, ouais. Ah, tiens, mon Teddy. Nickel. Allez, je vais voir à l'intérieur ce qu'ils sont en train de faire de sa nouvelle caisse. Mais il y a un connard qui bloque la porte là. Il y a un mec trop mat derrière la porte, il veut pas bouger. Celui d'après ? Celui-là, c'est celui d'origine. Ok, après. Après. Eh bien, 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 bien. J'ai récupéré toute la thune du garage, j'ai tout mis dans sa caisse, putain. Ma Schwarzer s'éloigne de moi, putain. On est où ? Le pare-choc ouais. Avant. Ok. Tout ça pour qu'elle soit pas à pied, putain. Alors celui-là, c'est celui-là d'origine. Parce que ouais. C'est ma soeur et que je l'aime, putain. Ok. Ouais, c'est ça, hein. Quand on aime, on compte pas, hein. Non. 25 000 balles pour cette merde. Ouais. Oh. Ouais, si Tommy et Pépito et moi, on t'envoie 5 000 balles, c'est bon? Oui, oui. Ouais, ça te va? Tranquille. Après, je sais pas combien de génie va dépenser pour le truc, donc... Oui, oui, c'est ça. Retour. Oui. Lui, je le savate, lui, là. Qui ça? Le mec devant la porte, là. Mec devant la porte? Ah, si tu veux, je le savate, moi. Il est arrivé d'un coup dans le garage avec sa caisse là qui a fait des tonneaux là-dedans là. Il m'a fait flipper le con. Et j'ai... T'as vu ça? Un petit coup de pied au cul, regarde comment ça court. Cours, salope. Cavale. Ah, t'as merde. Pas un vrai sprint, toi? Ouais, ouais, non, mais j'ai juste mis un petit coup de pied au cul. Ah, mais comme quoi, hein. Comme quoi, des fois ça suffit, hein. Ah, ouais, hein. Tes bottines là, tu l'as senti passer, hein. Ah, bah, ouais. Pourquoi tu crois que j'ai toujours mis des bottes, Richie? Ah, mais c'est pour ça. C'est pour latter des culs, casser des bouches. Non. Et si, si, le capot orange là. Non. Y a pas assez d'orange sur cette caisse, y a que du gris. Et bah attends. C'est mieux. Là, trop large. Ah, le bordel, c'est un avion. Oui. Le turbo à l'extérieur. Ah, wesh, le turbo dehors. Wesh. Okay. Retour en arrière. Le modèle avant celui-là. Avant. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire de sa pista quand on joue là? Ah là, le tour orange, ouais, voilà, très bien. Non, non, orange, nickel. C'est mieux. Nickel. Non. On partir. On part en voyage. Allez. Toujours là, des petits rechanges. Là, comme ça, il y a un peu d'orange dessus, voilà, là, ça me plaît, là. Que tu le veuilles ou non, je te mets cela. Ouais, c'est les plus... Les full black-black, c'est pas légal. On veut, y a plus. Bah, ça tombe bien, parce que j'aime pas les full black-black, je fais toujours une teinture avant. Ah bah, parfait. Oh. Ah non, mais commence pas à traficoter à l'intérieur. Tu... Oh, oh, reviens. Oh, les phares orange. Mais c'est tellement stylé. Bah oui, bah vas-y, bah on parle là-dessus. Y'a plus de phare du tout, hein. Je sais que tu te fais arrêter. Bon, quoi que, non, ils peuvent rien dire si la voiture est comme ça. Chier. Bah ouais. Aussi, ils peuvent faire chier. Ah oui, ils peuvent faire chier. On verra si ça va s'éclairer encore. Nous, voilà. Nous, on te dit juste, ça peut potentiellement pas être légal. Oh, putain, les arceaux, les arceaux, oui. Ouais, les arceaux orange là. Mais full arceau. Full arceau, ouais, avec les sièges baquets et tout, mais bien sûr. Voilà, voilà. Putain, j'ai pas appelé mon frère. Ah bah tu vois, regarde. Ils vendent une Blista Conjo. Full perf. Pré-concession. Putain, full perf, full custo, pré-concession.
Ah, les Oh boules. bordel. J'aurais su, on aurait acheté celle-là direct. Bah oui, Ouais, vous pouvez pas putain. savoir. Je crois qu'il me l'avait dit, mais j'avais oublié Est-ce qu'il y que avait tu veux celle-là par dedans. soleil? Ouais, même par soleil gris. Ouais. Gris ou orange? Ouais. Ouais, frérot, tu feras gaffe, les flics te cherchent. Je sais pas, ils sont passés au LS Custom, ils ont dit à Richie qui te cherchait toi et Inaya. Elle s'est fait enlever avec toi hier pour la banque. Bah non, elle était pas là, Inaya. Bah je sais pas, apparemment ils cherchent toi et Inaya. T'es sûr? Bah oui. Ok. Ouais, c'est. Ils Je en vois ont pas pourquoi parlé ils à... cherchent ils en toi. ont parlé à Richie au LS Custom. Moi et Inaya? T'es sûr que c'est pas plutôt Tommy et Océane? T'appelles pas Tommy, frère. T'étais dans Ah, quoi des là? fois si, hein, quand j'ai trop bu. Il Charlie Cove. cherche bien Vin, on est d'accord. Je te Ouais, confirme que c'est Vind, pas là-dedans. ouais. Vin Mais Torson, vas-y, ils t'ont continue, on sait dit. jamais. Ouais, bah, il m'a dit Tarlif, Tarzan, machin. Ok. Donc moi j'ai su que c'était c'est lui, mais. Voilà, il cherche toi, il cherche Vind. Ouais. Ok. Il cherche Vin Ah. Torlif ou Vin Torson, donc ça peut être que toi, frère, hein. Mais Ok, ça marche. Bah écoute, je sais pas. C'est bizarre. Ouais. Non, si, c'est tout. Il cherche Ok, toi et bah Inaya, merci. voilà. Ok, bah merci, Ça merci va? pour l'info. Vous êtes au truc de t-shirt? Ou Non, on est vous y au êtes pas club. allé encore? Ah, si, on a fait tourner notre machine. Ouais, ma machine. Oui, enfin, on a fait tourner la machine à laver, quoi. Maman, t'as les Yes, écouteurs dessus. vous me tenez au courant de quand on Bah, peut j'ai passer? rien. Ok, bah, Ouais. faut qu'il fasse Ouais, tout le ouais. club. Bah, attends. C'est à moi. Attends. Demande quand est-ce qu'ils peuvent passer Tu récupérer veux leur quelle linge couleur propre de du coup. jambes? Voilà, on est en train de faire la caisse de Amy, donc Un genre un gris Tu sombre, les trouves genre dans le un jus noir. orange. Non. Ça, mais De un peu quoi? sombre. Non, rien, on est en train de. Je vais offrir une voiture à Amy. Oui. Ok. D'accord. Oui. Bah, tu Ceux-là ou passes quand tu veux. ceux-là? Voilà. Ceux-là. Tu nous préviens juste avant, mais Ok. tu passes quand tu veux. Ok. Vas-y, à toutes. Ouais, parce que je viens de claquer 25 000 balles dans sa caisse, autant te dire que j'ai envie de me rembourser là. T'as acheté quoi là? Je lui ai offert une Blista Kanjo. C'est elle qui voulait. Hein. Elle allait pas rester à pied, peu cher. C'est sûr que tu veux un sticker, ils savent plus. Maintenant, c'est bizarre parce que Alors, Kenzoka ça, vient de bah, je mettre sais qu'on une me met le rond parce que notification peut-être qu'ils vont sur un truc faire comme quoi ils référence, vendent mais une c'est pas Blista Kanjo. hilarant, c'est quand même pas Oui, marrant quand mais même. alors lui, il a. Oui, non, mais non, c'est pas celle-là que j'ai Un peu achetée. plus. Moi, je viens de la sortir du concess, la Blista. Dégoûté parce qu'il y en a une full perf au même prix concess, tu vois. Bah ouais. Donc, je suis un peu deg, mais bon. C'est pas grave, au moins elle l'a fait comme elle veut directement Ouais, et voilà. on la perfera Ok. après, on lui mettra le moteur après, t'inquiète. Ok, ça marche. Bon, vas-y, Bon, bah, bah on va regarder les je te stickers laisse. maintenant. Soit tu m'envoies un message à moi Allez, ou au Prez ou qui tu veux, et puis Ça qu'on marche. sache avant que t'arrives, comme ça on sort ton linge, et puis voilà. Ça marche, bah, dès qu'on a fini avec la caisse du Oh, c'est EMI, pas dégueulasse ça. on va venir. Oh, c'est pas Ok, dégueulasse. ça marche. Vas-y, à toute. Je t'envoie un message dès qu'on décolle du LS. Y a pas de soucis. À toute. Yes. Les enfants, le linge a été lavé. Oh, ok, Choisis bien ton nickel. sticker parce que tu pourras juste changer de Voilà, sticker, tu ça y pourras est. plus ne plus en avoir. Hein. Putain. On C'est arrive con à que la ça, fin de. le sens pas rouge et pas orange parce que. En vrai, le petit premier là, le petit discret, en plus, il n'enlève rien de ce que t'as fait et. Alors celui-là, il était sympa. Celui-là, ouais, il est sympa. Le linge a été lavé, dès qu'on sort de là, on va le récupérer. On prendra la Blista et Yes. la Sentinelle. Voir la liste de coffres Ok. noirs? Ouais. Bah là, après, il n'y en a plus. Hein. Bah la mienne, du coup, j'en fais quoi? Je laisse là, là? Remets la Ouais, tu la voiture laisses là, on simple, reviendra après. discret, Yes. efficace. Ouais, en vrai, celle-là, elle est propre, hein. Juste avant de confirmer, est-ce que tu peux essayer d'allumer les phares? Oh, mais tu peux pas allumer les phares quand t'as le truc orange comme ça. On sait jamais. Si j'ai pas de phare, Non, en je vrai, peux c'est un peu pas. chiant. Là, je peux pas les allumer, là. Ouais. On n'a pas regardé le pot d'échappement. Oh putain, oui. Bon, je vais faire la retour de flamme. Ouais, alors ça, je sais pas comment qu'on fait. Oui, non, il faut les Ah, c'est feux, ça, il hein. faut Ça, c'est les autre chose, ça. pots, il faut les pots, Non. pops. Alors attends, Oui, non, je mais vais faites. récupérer Non, mais celui-là. je parle de rond-point classique, moi. Le double. Ouais.
Le petit pot carbone, là, le troisième, ils se font des biens dans la voiture. Bah, tu me dis lequel? Ouais, t'inquiète pas, je te dis. Voilà. Après. Comment j'ai celui-là? Deux après, deux après. Deux après. Voilà, voilà, nickel. C'est tout bon, madame? C'est tout bon, monsieur. Monsieur Rurik, votre avis. Non, attends, attends, attends. Faut que tu rechanges les phares, je crois. Ouais, oui, change les phares, parce que les phares, il faut que tu lui en mettes le au moins un de phare. Ils vont faire chier avec ça, en fait, si j'ai pas de phare, ça va, je le sais, je le sens. Je sens venir qu'ils vont être casse-couilles. Il y a du gris, il y a du orange, moi ça me va, tu fais ce que tu veux après. Mais elle est stylée comme ça. J'aime bien. Je préfère le petit aileron orange que le gros aileron, c'est plus stylé. Oui, le gros aileron faisait beaucoup rire, mais en effet, c'est pas... Attends, je sais plus c'est dans quoi qu'on les avait. Oh non. Elle est bien comme ça, ça va. Et après, on va aller récupérer notre linge tout propre. Ouais, t'inquiète. Non, ça, c'est le capot. Très joli capot, d'ailleurs, si je peux me permettre. Non, elle est bien comme ça. Propre. Ah. Ouais, c'est là. Alors, soit elle a qu'un œil en gris, soit elle a qu'un œil en carbone, soit elle a qu'un œil en orange. Oh non, moi, j'aime la symétrie. Essaye d'allumer les c'est phares, quoi, là. Ça on peut pas allumer les phares quand on... Ah putain, c'est sans phare là. Ouais, y a pas de phare. Ouais, là c'est en mode sans phare. Sans y être. Ouais, non. Mais celui les phares classiques, je pense. Hein. Bah là, il ouais, remets-moi de... Ouais, remets-moi d'origine. Laisse les phares d'origine en vrai. Ça sert à rien de vouloir les modifier pour qu'ils soient dégueulasses. Tu l'as vu Xénon ou pas? Oui, non. Xénon blanc. Parce que j'aime avoir une belle lumière blanche quand je conduis pour bien éclairer. C'est tout bon? C'est tout bon. T'as coûté combien, Jean? Je te dirai pas. Bah si. Je te garantis que tu vas me le dire. Oui, bah alors attends, j'ai pas fait la facture. Parce qu'on va se partager ce qu'ils vont nous rendre. On comprend bien que tu vas pas sortir toute la custom comme mais... je vais pas sortir tout le prix de la voiture, tu vois. C'est bon, j'ai dit que je l'offrais. Merci, Jean. Jean, combien? Tu vas me le dire à moi, juste à moi. Ou tu me l'envoies par texto, je m'en bats les couilles, mais envoie-moi le par texto. On a dit qu'on s'y mettait tous pour la voiture. Il y a trois autres personnes qui nous doivent un peu de la thune. On va se partager ça de manière équitable. Attendez, je dois arrêter sur mon téléphone. Oui. Quand hey. Tu dis juste wesh comme ça en général. Oui, eh ben. Richie, tu lui enverras à Jean la somme convenue. Ok. Tommy, Pepito, vous me devez 5K chacun. C'est votre participation dans la voiture d'Amy. Vous êtes pas en radio, je vais vous appeler pour vous le dire. Je suis présent en radio. Je vais t'envoyer un message, ce sera la facture. Je suis actuellement pas loin de, okay. Donc, t'enverrai 5000 de Pepito. Oui, embauché bah... aux EMS. Ah, t'es embauché? Félicitations. Bon ben Pepito et toi, vous me devez 5K chacun pour la voiture de Amy. Comme ça, on fait une collecte participative et Richie et Jean payent la custom. Pour moi. Ben Pepito, il a pas la radio, il va falloir que tu lui dises. Ouais, je suis au courant, Pepito, je l'appelle, je suis au courant. Mire. C'est la facture que tu dois te faire. Que tu dois te faire, ok. On t'est contente au moins. Bah reste là, t'en vas pas. Ah bah énormément, mais un peu gêné aussi. T'as pas à être gêné, Amy, on a tous fait pareil. Hein. On s'est tous aidés pour les voitures. On s'est tous envoyé des thunes tout le temps. C'est ça. À foison, donc en vrai. Hein. Y a pas de gêne, y a pas de quoi que ce soit. Bon, tu me fais chier, tu m'as coûté 25K, putain, tu casses les couilles.
Et ma Ouais, Schwarzer grave. s'éloigne, voilà. J'avais 50K, je suis à 22K, ça me casse les couilles. Ouais, grave, moi Désolé. je Je suis à suis. Aussi, je 4K, je t'aime, suis ma à sœur. moins 8000, mais tranquille. T'inquiète, ça va tomber tout à l'heure. Non, On va les t'inquiète, récup. oui. De toute façon, une fois que la caisse est finie, là, on sort, on y va. Ouais. Ah ouais, nous on ferme et puis on y va, on verra avec vous, hein. Ouais. Alors, Tommy, je suppose que tu es en formation, donc tu pourras pas venir, mais on va aller récupérer le linge. Ah, Tommy, Est-ce c'est les que prendre du coup là-bas? les 5K de toi et de Pépito, je les prends sur ce que je vous dois du linge qu'on récupère ou pas? Prends les. Ouais, prends-les. Ça marche, je vous mettrai de côté je vous enverrai votre part directe du coup. Vu que c'est. Je vais voir combien on. Je ferai la division, je verrai combien je dois à chacun. Je prendrai Ah, 5K c'est sur vrai ta part et que. celle de Pépito et je vous enverrai le reste direct par virement. Ah, Richie, tu peux enlever la verte là, s'il te plaît? Je dois passer à cette putain d'océan pour pas me faire retirer mon blush. Ouais, ça va te coûter les thunes, ça aussi. Cher, je crois qu'on a dit que c'était pas cher, justement. Et 500 balles, je crois, ou une connerie comme ça. Bon, ça va. Fait chier, mais ça va. Ah oui, à savoir, quand vous venez au LS, moi je fonctionne avec le RGB. Donc c'est cool de l'avoir, quoi. Comme alors, le RGB ne marchait pas la première fois qu'on a donné le RGB, c'était pas du tout les bonnes couleurs. Je n'arrive pas à récupérer les bonnes couleurs en RGB, j'arrive juste à les Amy, récupérer en hex. Elle me les a envoyées. Ouais, j'ai reconverti le hex en RGB, et Ah du bah coup, il faut bah, les ça fait les mettre, couleurs que tu vois là. il faut les mettre dans utile. Parce que moi, Je te range. Ouais, donc le Amy, elle les hex, a eues, elle me ça les fait a les couleurs de filées, la ça mienne. fonctionne au LS. Ah oui. C'est pas spécialement le même gris, l'orange ça va, mais c'est pas à 100% le même Bon, gris. voilà, elle a la peinture, le peintre, il s'en occupe et après c'est bon. Nickel, merci. Mais bon, moi t'as ta voiture, t'as ta première caisse, tout le monde a sa caisse. Ouais, je sais ce que je vais faire dès que je vais avoir chopé ma thune. Va Je vais faire racheter quoi? des néons. J'ai oublié les néons. Je paierai les néons. Et Tommy, t'as été embauché où? EMS. Oh, c'est cool ça. C'est eux qui font les néons du coup? Ouais, c'est eux, ils font mignon. Bon bah faudra qu'on repasse ici après que j'ai ma paye. Bah pourquoi? Bah parce que les néons. Ah bah ça je peux te les rajouter maintenant. Poto, tu m'as déjà assez offert, je crois. Ah là Putain, là. il est vraiment énorme leur garage, c'est dingue. Ouais, il est sympa leur garage. J'aimerais bien avoir un petit Il est Lambo sympa de Lambo ouf. aussi. Ouais, nous c'est un atelier, hein, un atelier de prépa. Hein. Ouais, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un petit peu de classe. Ouais, il est très bien comme il est. Ça paye pas de mine, ça laisse croire aux gens que voilà, et puis ça leur montre que on a un atelier sobre. Notre exubérance, on la montrera en gris orange. Oui, c'est vrai. On connaît. Mais bien sûr. Et tout le monde nous connaît déjà sans qu'on connaisse tout le monde, alors bon. J'ai envie de Alors te ça dire. m'intrigue par contre. J'ai envie de te dire. Un peu plus, un peu moins. Même parce que ça fait peur. Ils voient débouler, ils nous voient débouler, on est tous seuls dans une voiture. Donc il y a des moments où ils voient des connards, ils voient ma voiture entourée de trois Dominators tout en gris orange avec un seul mec à chaque fois par voiture et ça part dans tous les sens. Il n'y a que Pépito en général, il monte avec moi. Y'a que moi qui vois la voiture de travers là? Oui. Un peu en traviole, mais ça va. Donc ouais, en général, les gens nous voient passer à 3-4 voitures. Je pense que. Et ça fait des street races entre nous juste pour le plaisir d'arriver le premier à la Ah, maison. ça impose direct. Je pense que les gens ils se disent c'est qui c'est con en gris ou orange et puis bah il y en a qui des gens Ça, c'est partent en vraiment de la merde blaze ta et. bagnole. Hein. Mais non, elle est trop bien, bagnole, Non, c'est pas pas la la tuyaule. tienne, pas la tienne, celle du Non, c'est vert. pas la tienne, c'est celle d'un client. Ah, c'est une quoi? C'est une bouse. D'accord, mais il va falloir être plus précis parce que des bouses, il y en a des tas en voiture. Je sais pas, c'est la voiture verte que je viens de sortir. Ah oui, bon, c'est une payotte. Ouais, j'ai mis 3 fois le contact avant de l'éteindre. Et Bah dames, celle de Vin, elle est là, ok. messieurs dames, on s'active. J'aimerais bien qu'on aille se payer.
Ouais, bah le c'est le peintre hein, là. Hein. Putain, j'étais à 20 000. Hein. Ouais, j'étais à 50 000, je suis à 22 000, putain, les boules. Non, je m'en bats les Ouais, couilles. je vais aller voir. En vrai, je m'en bats les couilles. Je suis le seul à avoir travaillé, j'ai pris toute la thune du garage. J'ai fait largement pas mal de thunes cette semaine, en vrai. Ouais. Et puis comme du coup maintenant on a la sécurité sur l'augmentation des performances moteur, il va y avoir plus de gens qui vont passer au virage. C'est ça, le temps que ça se sache en ville. Disons que les gens vont venir plus au plus chez Ça. nous. Les Ils n'auront autres pas les perfs, choix. c'est les perfs, c'est Les ceux autres qui perfs, pètent le c'est plus. les deux garages. Peu Les importe perfs, ouais, lequel. tu peux le faire dans les deux. D'accord, très bien. J'ai putain de soucis de voix, ça me casse les couilles. Bref, j'envoie un message au gars hein, sur par téléphone. Voilà, je lui envoie Yes. un message. Je lui dis voilà, Il lui a je dit vais que la la voiture était récupérer. prête, qu'elle était sur le Ouais. parking. Oui, Pourquoi d'ailleurs, t'as si des tu grandes veux pas, dis grandes moi. jardiniers? Parce que je fais du jardinage quand je tripote un moteur. Tu fais du jardinage. Exactement. Hey. Bon, allez, je sors la voiture, c'est bon, et puis on peut y aller. Allez, Allez, vas-y, let's go. j'arrive. On va Vas-y, sortir, on va se mettre je dehors. vais me changer. Quand je reviens, je vais être plus lent que vous, hein, du coup. On prend que deux voitures, on prend que la tienne et la mienne. Leur caisse va quasiment aussi vite que la mienne, alors qu'elle est stock. Bon, la tienne, non, c'est sûr, mais. Tu roules quand même avec. Et il était pas. C'était pas lui tout à l'heure, il était pas à la plage, le gars. Bullshit. Non, 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 Richie, n'oublie pas de fermer bullshit. les portes. C'est le même modèle, les mêmes couleurs, la même putain de custo. Avec le même putain de tour. Bullshit qui était pas à la plage. Ouais, t'inquiète. Bah, la prochaine fois, on retournera sur le site de plongée légal sud, comme je fais moi d'habitude. On La partira de porte de là-bas. gauche est fermée. On partira de là-bas, comme ça on sera au calme. Par contre, pour braquer avec celle-là, c'est simple. Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Il est derrière. Allez, qui grimpe avec moi? Pas toi, du coup? Allez. Oui, bah moi, oui. Direction le bar des Mongrels, j'envoie un petit Attends, il y a message. du vire. Oui, c'est pour sa voiture, je pense. Ah. Attends, attends vite fait. Ouais, je vais descendre. Voiture juste là, Bonsoir. ouais, je sais pas qui c'est que j'ai eu le Bonsoir. téléphone, mais ouais, j'ai des soucis de téléphone, du coup c'est un peu compliqué là. Ah, mais je suis mécano, tu me dis là ça. Tu me dis, je suis mécano. Je suis gay, pas mécano. Je crois qu'il avait compris. C'est Dario? Et toi, parler comme nous? Ouais, par moment il parle un peu comme vous, ouais. Il est Ouais. bizarre, votre. Il a volé une voiture. Hein? Ah! Mais ça vient Boum! chez nous là. Boum! Ah boum, rends la voiture, boum, elle est verte, Boum, mais rends la c'est pas à voiture, elle nous. est pas à toi, elle est pas à Elle est nous. pas à vous celle-là? Ah boum, elle est verte, mais elle est pas à nous, boum. Je sais pas. Mais si, c'est la sienne de tout à l'heure, je crois. Mais Ah si, ouais? Vous avez elle venu, ouais, si, elle est venue. C'est eux qui vous ont appelé pour venir la récupérer. Ah si, c'est ta voiture. Eh ben voilà. Je pensais qu'il avait volé, si, ta pute. Ah Il boum, pensait je pensais que que tu l'as. Mais Je dites-moi, c'est qui croyais que qui tu avais dirige quelqu'un, chez mais t'en vous? as acheté deux, toi, t'as trouvé où l'argent? En fait, c'est toi T'explique. qui a besoin d'argent, Eh on vous boum, demande. écoute, je te le dis devant tout le monde là. Oui. Si t'as pris 1 dollar dans mon coffre, je te nique tes morts, J'ai mais rien pris dans ton coffre. Dis wallah, chef. Wallah, T'es pas musulman, fils T'es de pas pute, ça marche musulman en pas. plus, je le vois, il est en train de. Oh, gars, il est quand même en train de croiser les doigts de pied, le bâtard. Boum. Eh, Watipier, arrête de croiser là. Ah boum. Petite question, messieurs.
Ouais, petite réponse alors. C'est qui commande chez vous? C'est le chef. Juste pour savoir qui c'est le chef quoi. Ouais, c'est lui, c'est lui. C'est pas l'instant, moi. Pour l'instant, c'est moi là. Y'a quelqu'un au-dessus de moi, mais pour l'instant, c'est moi. Yes, je peux avoir ton nom? On fait un petit échange de numéros, serait bien qu'on se rencontre à l'occasion. Vas-y, quand tu veux. On fait le 37. Je suppose que t'as reçu un numéro. Non. Non. Moi, c'est Lille Parker, toi c'est Lille Parker, moi c'est Rurik, Torlif. J'ai bien compris, t'as dit Céline. Rurik. Non, il a dit Lille. C'est Lille, c'est Lille, c'est Lille. Ah. Nickel. Très bien qu'on se rencontre, je sais pas si demain ou un truc comme ça. Bah ce soir si tu veux. Histoire, juste histoire de se présenter, tranquille. Bah même ce soir si tu veux. Ah si tu veux, on peut se foutre sur la gueule hein. Oh. De base c'est pas le but, le but c'est juste de se présenter un petit peu officiellement mais... Ah vas-y, y'aura pas de castagne alors. Moi j'ai des bagarres à l'air. J'aime trop ça, bon. D'ailleurs, je pense que normalement ce soir il devrait avoir une. T'as la castagne! Ta gueule, arrête de me couper quand je parle! Il devrait avoir une. Comment on appelle ça? Bagarre. Une petite rencontre entre nous, les Mongrels, toutes les bagos. Les Mongols, ouais! Exactement. Ok, ok. Où ça te dit? Ah ouais, tenez au courant. Vas-y, ça marche. Vas-y, si tu veux qu'on se rencontre après ou quoi, parce qu'en tous les cas, je parle pas si le mécano il va arriver. Yes. Bon, ils sont là, les deux mécanos, donc. Les deux mécanos, ils sont là déjà. Comment ça marche? Eh ben, Cimer, je te tiens au courant. Vas-y. Ah non, Cimer, tu parles comme moi. Ouais, toi et moi, quand tu veux, on se tape, hein. Bon, bref, dans l'air. Ah, je te dis, j'ai des bagarres, hein. Ouais, non, mais c'est cool, il en faut. Si ils peuvent se taper contre un poteau, ils se taperont comme un poteau. Samedi soir, il y a le club de baston des Mongrels. Nous, on veut de la castagne de rue, genre improvisé. Pas l'entraînement, il faut s'entraîner. C'est on donne une heure, bam, on met des voitures, on met de l'éclairage, on se tape sur la gueule, on s'en va. Donc on peut faire la course avant. Ça me va. Bah, la course, organise des courses de rue, toi. Ouais, t'inquiète. Un groupe. T'inquiète. Il se fout de ma gueule, putain. Il se fout de ma gueule, là. Ouais, c'est prévu, déjà. Ah, je sais pas, je te connais pas. Non, alors tu fais de la course, toi. Ouais, on fait de la course. On vient... Non, hé, Jean, tu te descends Jean, direct. Jean. Sinon, c'est moi, je t'allume. Tu fermes ta gueule, sinon c'est moi, je t'allume, c'est clair. Non, non, on est déjà un groupe. C'est justement pour ça que je voulais qu'on se présente, tu vois. Ouais. Et justement, on va en faire des courses. Là, moi, ça m'intéresse, ça. Ouais, moi aussi. Après, ça fait quoi? Ça fait 15 jours, on est là, on n'a pas encore les bonnes bagnoles, on n'a pas encore tout ce qu'il faut en termes de performance. Plus, on n'a rien. Ouais, on a les pilotes, nous. On n'a rien. Ça, là, un avion de chasse, d'accord? D'accord, la Spritzer? Mais bien sûr que oui, frère. Ah oui, bien évidemment. C'est ma chop, ça. Un avion de chasse. Derrière, je vois une petite caisse pas trop mal derrière le Caracara, ça peut bombarder ça aussi. Des sultanes, ouais. Eh bah oui, c'est des bonnes caisses, donc oui, vous avez de la caisse. Nous, Route-mood, on n'a pas voir. Grand chose. Qu'est-ce qu'il veut, lui? je crois que c'est toi le Route-mood. Ouais, mais pour le coup, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Il est fou ce type, il est genre. Ah, je vous explique. Je vais gérer ta place. Il a une carte pour lui, c'est un boom. C'est quoi comme carte? Monte ta carte, le monsieur va lire. J'ai plus ma carte VIP. Ah voilà, il a une carte VIP avec marqué. T'es quoi? C'est où que t'es VIP? À l'hôpital quoi encore? Ah, je suis VIP à la police. Ouais, voilà, vous avez vu à quel point il est VIP? D'accord. Voilà. Incroyable. Ça va plus VIP quoi. Ok. Non, de toute façon, dès qu'on fera des courses, on tiendra au courant et on mettra ton place. Mais fais ça vite par contre, tu es là, sinon je vais les organiser moi-même. Alors, j'aimerais bien. Mais qui c'est qui me paye pour que je m'achète ma bonne bagnole avec mon bon moteur dedans? Eh, qui bonne bagnole? Tu roules avec ça? Tu sais qu'une voiture fait pas tout, hein? Eh, c'est petit à petit, mec, hein? Justement, ça fait 15 jours qu'on est là, on charbonne comme des dingues. Mais Voilà, mais il y a charbonne. En fait, vous charbonnez sans être malin. Eh ouais, je vous le dis. Alors, en ayant de l'expérience, je peux te dire que vous charbonnez.
complètement. Mais je sais comment on charbonne. Pardon, mais je vous le dis. Tout le monde, vous charbonnez de la même manière, on m'a tout dit. Et je suis sûr, vous faites comme ça. Ouais, le charbon, c'est pas dur, hein. Tu fais brûler du bois. Hein. C'est qui m'a tout dit ? Quoi ? C'est un charreau, m'a tout dit. C'est techniquement pas faux. Mais... Non, mais dites-moi, vous avez tous une carte ? Dites-moi, vous avez tous une carte là, vous êtes tous du même groupe. Ouais, elle a dit, c'est qui m'a tout dit ? M'a tout dit, c'est un charreau. Et tout. Bah, c'est vrai. Non, mais dans tous les cas, si tu me dis, ouais, je sais pas quoi, on organise des courses, tu dois savoir que c'est pas le moteur qui fait, c'est la conduite. Bah, bien sûr, mais. Alors, je vais pas aller concourir avec ma Sentinelle XS qui a pas de moteur, et en face de moi il va y avoir que des connards avec des V6 et des V8 dans leur caisse parce que c'est moi qui les aurais montés dedans. Non, y a personne qui a des V6 des V8. Ah bah écoutez, si vous voulez des swaps moteurs, faut venir à l'exotique. Ouais, t'as les sous toi? Ah bah non. Bah moi oui, mais j'ai la flemme de mettre ça là-dedans. Sinon tu te prends pas la tête et tu fais des courses de Sultane. Ouais, la Sultane je l'ai pas non plus, mais j'ai pas la thune. Non, appelle-nous, dans la rue, quoi. Appelle-nous, je te rassure, on t'en ramène 10. Et on va commencer à organiser des trucs, ça marche. On a un petit fournisseur. Faire bouger un petit peu. Fournisseur, c'est travail devant le coffee. Non, on a un fournisseur, on a pas des sous. Tu nous dis Sultan sur commande, on t'en ramène une petite dizaine. Tu nous laisses 15 minutes, on te ramène les 10. Ça marche, je viendrai voir devant le coffee. Non, on a un contact, on a un contact. Il faut qu'on l'appelle et il nous livre les soldats. Y'a pas de problème, ça marche. Bah vas-y, au plaisir. Parce qu'on a rien à foutre ici en fait. Vas-y, on se pète. Allez, à plus tard. Bonne soirée. Bye. J'ai fait la vigne. Bah je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas vigne en plus. Oh, y'a Roy. Ah, il vient chercher la voiture, je pense. Ah, il vient chercher sa caisse. On fait quoi, on bouge? On attend. Yo. Yo. Ça va? Yo. Avec toi? Ça va ou quoi? Sortir de l'hostel. Préviens Quentin, on va monter au club. Non, on vous attend. Et risque d'y avoir un événement de baston organisé par les verts ce soir. Ok. Bah, la fois là, je suis resté à l'hostel. C'est vraiment des grandes gueules par contre. Hein. Oui. Ce serait possible de me faire une conversation sur la tête. Juste maintenant là qu'on doit monter chez vous là. Hein? Ouais, ça c'est juste de vitre, hein. Pire, c'est pas grave, hein, je prends le vent. Pourquoi tu dis demi public? Attends, mais on devait partir là maintenant, là, on s'est fait retarder par les verres. Ouais, c'est pas grave alors. Alors je me plante de personne. Ouais, mais non, c'est toi Vind. Mais oui, c'est lui Vind, c'est lui mon frangin. Le flic qui est venu tout à l'heure me voir pour dire ouais, il est où Vind? Ça rien moi. Il disait que tu travaillais ici. Ah bon? Je dis bah non. Et je sais rien, ouais. Je suis ok. Je cherche, mec. Ouais, non, mais. Bon, on se pète. On se casse, on se pète chez toi. Okay. Allez, on bouge. Ouais. Yes, allez, on bouge. Ouais, je te laisse prendre de l'avance. Attends, Richie, hein. Monte avec Amy. Ok. Y'a Bruy qui part du LS, il se met en route pour le club. Oh bah, j'avais pas vu, mais il prend une roue. Eh bah, let's go. Ah, d'accord. Bah, je l'attendrai. Hein. Ceinture ? Ouais, j'ai des soucis avec ça. Ouais. Attends, je me le rappelle. Et direction le clubhouse des Mongrels. Et let's go. Vas-y, passe devant, t'inquiète. Je peux pas le malin comme ça quand il y a un mec qui fait le fou pour rien. J'ai horreur de Rurik. On s'en prenne déjà à une nana, de lui parler comme il lui a parlé, et il fait le malin parce qu'il est avec ses potes. Donc quand il est venu comme ça, j'ai juste dit ouais, on fait la course. C'est tout ce que j'ai répondu et ouais, mais non, on n'est pas un groupe comme ça.
On n'est pas eux. On n'est pas un gang. Ouais, mais... Alors, je comprends. Ouais, mais quoi ? Je comprends ce que tu veux dire. Mais le truc, c'est que là, ils nous ont peut-être aussi un peu pris pour des faibles. Tu vois, du style... Bah, ils ont pas de... Vous m'entendez ou pas ? Ouais, ouais. Putain, encore des problèmes de voix de merde. Ouais, ouais, je t'entends. Pas de couilles, mais... Tu vois, ils se laissent faire. Ils se laissent marcher dessus. C'est toi le boss ou c'est moi le boss ? C'est toi le boss. Bon, quand je donnerai les directives pour qu'on leur pète le cul, on leur pètera le cul, c'est clair ? Ok, ouais. On n'est pas un gang. On n'agit pas comme eux. On se comporte pas comme eux. Alors, quand c'est comme ça, il faut rester derrière moi pour pouvoir profiter de l'aspi. Elle bombarde un peu sa bannière. Là, t'es trop loin là pour la tuer. Pour l'instant, je les laisse faire, je les laisse dire, ils nous connaissent pas. Prochaine fois, première fois qu'ils vont vraiment me casser les couilles, je vais sortir le schlass, je vais le planter, il va rien comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je suis pas, ils font genre les mecs, c'est des bagarreurs de la rue, machin, mes couilles, c'est bien, c'est bien. D'abord je vais te prendre tout ton fric avec un volant dans les mains, et ensuite je te poignarde et je te laisse sur le carreau. Je te rappelle qu'on n'est pas armé. On n'a rien. Donc pour l'instant on fait pas les malins. Alors t'as eu plus peur de quoi ? De lui ? De la route ? Non, lui il me fait pas peur, j'ai eu plus peur de la route, oui. Il m'a pas fait peur, hein. Il est soumis à ces types-là. Autrement je me serais pas avancé comme je me suis avancé. On peut pas faire ça devant un parking et surtout pas devant ton travail. Je suis juste plus intelligent qu'eux, c'est tout. Je sais pas qui c'est. Attends, recule un poil. Parce que autrement ta portière elle va dégager dans les palettes. Je lève. Oyo. Je lève déjà. Je lève déjà. Ceci est un braquage. Rurik. Oui. Oh coucou toi. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Avec le roof-mouf là qui est dans le garage. Sais. Oui, avec Marouan, oui, je sais que c'est Marouan. T'inquiète, je l'ai vu déjà. Je l'ai vu Marouan cet après-midi. Bien. Par mon tour. Mais ça va super. Nickel. Oh, les verts, ils font toujours les grandes gueules comme ça là face à des inconnus. Ouais. Chapeau. C'est les verts. Et ce bâtard, il me dit quoi ? Il me dit, bah t'as qu'à monter un groupe. On est tous habillés pareil. On est quatre devant toi. Tu me dis, t'as qu'à monter un groupe pour faire des courses de rue. Ouais, ils ont pas de groupe aussi, hein. Non, mais ils étaient 12, s'il te plaît, quasiment. L'autre il fait le malin, ils étaient 12. Bah ouais, par contre, souvent. Soyez intelligent, vraiment. Genre, les provoques gratuites en mode tu veux que j'aille à ta place, Rurik, ou en mode je me mets devant le mec et je fais ça, là je le menace parce que lui il fait ses grosses couilles. Laissez-les faire les grosses couilles. On s'en bat les couilles. Oh, Kenzo. Quand ça pètera. Le jour où ça pètera, je vais tous les planter. C'est ça que vous comprenez pas. Laissez-les faire les grosses couilles. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Quand ils sont beaucoup, ça crie beaucoup, mais une fois qu'ils sont tout seuls, ça parle plus. Parce que là, j'ai pris le numéro parce que je voulais faire une rencontre officielle, machin, pour se présenter. Le mec, il jouait les grosses couilles. L'autre, il voulait se frapper, soi-disant, avec Amy. Laissez-les faire les gus. Laissez-les se foutre de notre gueule. Frapper, hein. Vous comprenez pas ce que je vous dis, c'est grave. Laissez-les se foutre de nous pour l'instant. Laissez-les rigoler. Le jour où moi je vais péter un crâne, ça va leur faire tout drôle. C'est bon, Rurik, c'est des racailles. T'inquiète pas. Mais oui, je sais. Mais justement, ne réagissez pas comme ça. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. On n'est pas eux, on n'est pas un putain de gang.
Le jour où on va décider d'agir, on va brûler leur quartier. On va tous les descendre un par un. Ah, ils vont pas comprendre. Oui, Tommy, tu immortalises ma colère ? En général, quand on me demande tu veux te taper, moi je réponds oui, on se tape, et puis après je te défonce la gueule. C'est comme ça que j'agis, moi, d'habitude. Tiens, je te l'offre. Bonne nuit. Oh là, mais regarde donc comme ils sont beaux, là. Oh, comment qu'ils vont, eux ? Pourquoi tu commences à parler comme un Junkelou ? Ah, je te l'offre. Ils sont beaux comme tout. Ce qui est à vous, est dans... Putain, c'est Jean. De quoi ? Quelle ? De quoi c'est Jean ? T'as pris, c'est bon ? Oui. J'avais les cheveux bleus avant que je rentre dans un groupe. Et dis-moi, tu m'as fait une sacrée fleur là. Oui, bah oui. Bah, merci. Si oui, on n'a pas. Bah c'est votre première, c'est bon, tu veux. Bah c'est ça. On n'a rien. C'est votre première, on n'a rien pris. Voilà, vous en avez besoin plus que nous, j'ai l'impression. Ouais, on va en avoir besoin vite, ouais. Bah oui, c'est pour ça. Mais bon, sinon, si je calcule. Attends, calculette. Normalement, vous auriez dû prendre 16004, j'avais tout calculé. Ouais, je crois que c'est ça à peu près. Ouais, vous auriez dû prendre 16004 et il m'aurait resté 62 ou 63 et quelques. Ouais, mais bon, j'avais calculé. C'est ta première et pour ta première, t'as la merde des merdes. Hein. Ah bah après. Pour ta première, t'as quand même bien charbonné. Donc, on va ramener, on va ramener entre 60 et 70 tous les deux jours. Donc, Bah c'est bien, tu vois, c'est parfait. Et là pour la première, là, c'est même pas venu à l'esprit d'en prendre, tu vois. La première, je me suis dit, vas-y, ils vont en avoir plus besoin que nous, quoi. Bah merci. Là, bah c'est ça, faut bien que vous vous mettiez aussi. Pareil, du coup, je répète, mais si vous trouvez des lampes torches, peu importe où, voilà, on est preneurs. Ouais, si vous trouvez des lampes torches, on leur garde. On va avoir de jolies choses. Si vous trouvez des lampes torches, que ce soit. Même si vous pouvez pas les avoir, mais que vous savez où vous en procurer, ça nous intéresse pour aussi. Pour X ou Y raison, je sais pas, vous êtes. C'est ça. On va s'organiser une petite session fouille hein, ce soir. Moi ça me plaît. Nous on est pas là. Ouais, c'est ça que nous ce soir de base on est pas censé être là donc ouais. Ok. Ce soir on est pas censé trop être là trop tard. Ouais, mais moi je vous avoue que c'est pareil là. Je vais pas faire long feu non plus là. Ouais, pareil, j'ai des trucs à faire. Bah, en fait, moi j'attendais juste que Rick arrive pour lui donner parce que c'est dans ma voiture. Mais c'est ça, parce que nous, tu vois, on n'a pas encore mangé tout ça, donc ouais. Ouais, non, moi c'est surtout que je peux plus traîner jusqu'à tard, tu vois. Ouais, bah ouais. Le week-end, je m'en bats les couilles, mais la semaine, c'est compliqué. Bah, la semaine, c'est chaud, bah ouais, c'est, je comprends, tu vois. Et surtout ouais, que là, demain ou après-demain, j'ai un espèce de connard de livreur qui doit passer, donc je sais pas quand est-ce que je vais arriver, tu vois. Ouais, bah ouais. Ça me casse les couilles, là. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai prévenu Pépito, du moment que vous êtes là samedi, moi ça me va. Oh ouais, t'inquiète, samedi on est là, on se fout sur la gueule. Samedi, 23h, vous avez intérêt de... Pour répondre à ta question, Bébou, je suis là. Oh, trop bien. On va pouvoir faire. Go. Samedi, 23h. Attends. On fout un de ses bulles. Bah, de toute façon, en fait, moi je vois le truc comme... Je vais aller chourer avec mes gars des bus de l'aéroport. Oui. Comme ça, regarde, on bloque la sortie là, entre les deux poteaux. Ouais. On en met deux là ici pour fermer, comme ça fait un parking fermé. Donc du coup, ici on pourra bien se foutre sur la gueule, etc. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est foutre le camion, un camion à nous et le camion de Nini pas très loin, comme ça on est pas obligé de rentrer dans le bar, tu vois. Ouais, bah oui. Genre parce que Nini elle sera là avec son camion pour la bouffe, puis nous bah on prend, tu vois, on prend des stocks pour l'alcool aussi, puis comme ça on est tranquille, tu vois. Oui, nickel, au top. Puis bah on espère, on va essayer de voir avec tous nos gars histoire qu'ils soient là parce qu'ils ont un patch à gagner, hein. Encore 10 000 dollars, ils s'en foutent, tu vois. C'est surtout le patch pour patch, eux. Oui. Mais on espoir. Alors que vous, par contre, les 10 000 dollars, ça vous mettrait bien. Ah bah non, c'est tout argent, on mettra bien, oui. Ah bah c'est ça, de toute façon, ce sera toutes les deux semaines. Voilà. Ah, merci les gars de m'avoir payé ma voiture. Allez, je vais à la concession, je vais m'acheter ma caisse. Bah en vrai t'es plutôt bien là, je pense qu'avec ça tu peux t'acheter une bonne caisse, hein. T'as de quoi. Ah bah je peux m'acheter ma Schwarzer, oui. Ah oui, avec ça t'as de quoi. Bah vas-y fais-le. Et je vous paye pas. Bah ok. Mais
Non, mais je vais. De toute façon, pour les lampes torches, parce que ça coûte beaucoup moins cher de base que le reste. Hein, parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Donc, ça pourrait être très très bien, tu vois. Ouais, pareil, tu m'étonnes. À ce moment-là, on aura un circuit fermé pour l'instant. On aura un petit circuit fermé, on sera tranquille, quoi. Niveau argent, vous serez tranquille. Parce que ça coûte un peu. Ça coûte un peu. Parce qu'en fait, en gros, tu donnes les matériaux au mec et tu payes le mec pour qu'il le fasse. Frappe-le, non ? Il fait des roues arrière avec sa moto, frappe-le. Ouais, bah. Et vas-y, bah non, on va descendre, faut que j'aille vite, faire 2-3 petits trucs, puis après. Après, j'irai. J'irai bon, on va descendre aussi, du coup. Ouais, 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 on va redescendre aussi, moi je vais aller au QG. Je vais aller au QG. Yes. Ouais. Bon, ça va, Marron, tu t'acclimates ou quoi? Ma main, ça se traîne, non? Je suis devenu mécano carrément. Ah bah donc. Fais gaffe à vos catalyseurs là, les copains, à tout moment. À tout moment, il faudra. Faites gaffe, lui laissez pas, la... lui laissez pas les bécanes à lui. Tiens. Il va être mal. Il a voulu me chicaner. Quoi, espèce de gitan mort, je vais te prendre avec moi, on va descendre. Toi, je vais chourer ton pot de ta bécane, tu feras moins la balle. En tout cas, en plus, t'en as 6 à prendre sur sa bécano. Ah putain, ça m'avait manqué cette mentalité incroyable! Oh là là! Bah oui, bah oui! Ah, ça, c'était la, ça c'était la petite surprise, tu vois. Oh putain, ouais, c'est parti! Allez, ça commence! Ah, ça m'avait manqué cette mentale incroyable! Eh, par contre, c'est, fais attention à ma femme, hein, c'est quand même pas taper des pieds de cousine! Hein. Oh bah tiens! Eh d'ailleurs, en parlant de sa cousine, tu te rappelles quand même de cette pute des pieds là? Ouais, ouais, ouais. Elle était toujours pieds nus celle-là, toujours les pieds noirs. Ah putain. Ouais, elle avait nu pied, ouais. Elle a nu pied, elle était. Waouh. Elle m'a mis un coup de vue carrément. Non, mais elle bosse chez Total Energy. Ça t'a pas donné une petite trick, un petit coup de vue comme ça? Bah ouais, ça m'a surtout mis de la colonne de la droite. Fais voir. Ouais, ouais, il y a une petite érection là. C'est le petit coup de vue qui réveille. Attends, ça c'est qui a une érection quand le tasse, c'est Richie? C'est lui. C'est... Oui, c'est Richie. Et Richie aussi, là? Oui. Non, mais il l'aura pas volé. Bah, tu vois. Attends, je vais toucher l'épaule un peu. Je te vengeons, Richie. Eh, d'ailleurs, regarde. Je sais pas que t'étais un gros dégueulasse comme ça, toi. Attends, laisse-moi fouiller dans ton coffre, là, regarde. Oh, putain. Wouh. Yes. Ah. Ça longtemps. C'est con, ça. Tu peux rien mettre dans mon coffre. Non, mais t'es un gros dégueulasse, regarde ce que j'ai chopé dans ton coffre là. Mais si, qu'est-ce que t'as chopé? Regarde dans ma main. Regarde ce que j'ai chopé dans ton coffre, espèce de gros dégueulasse. Tu fais avec une capote, frère? C'est pas une capote. Mais attends, je vois un pas de... Ah bah oui, ça c'est bien, c'est pour me le mettre dans le huc, il vibre au rythme de l'accélération. Allez, on va y retourner, hein, désolé. Allez. À tous. Hein. Regarde-moi ça, c'est quoi ces conneries là? Pourquoi t'as un petit goût de Michel là? Regarde-moi. Ah non, je l'ai parce plus. Que Tommy, y'a peut-être personne qui t'a vu, mais moi je t'ai vu. Hein? Et la dernière fois, t'as fait exploser une bagnole comme ça. Ouais. Maman, il est cracon. Bah oui, c'est à ça que ça me sert. Quand je conduis, je fais ça en même temps. Maman, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, je me gratte les couilles carrément. Pas sûr, là, mon copain, t'es sur autre chose, mon copain. Ils se grattent carrément la nuit. Ouais, et tu ouvres-moi ton petit capot, mon copain. Je vais acheter un œil de voir ce niveau du moteur si j'ai un peu de choix. Si j'ai un truc à. Oh là là, il va te péter un truc, ouais. Attends, ouvre-moi ça. Pas mal. Tiens, le tuyau. Ouais, mais regarde. C'est le moteur d'origine, ça c'est pas fou. Regarde, ouais, et, c'est le moteur d'origine, ouais. D'ailleurs, t'as pas pensé à faire un petit swap dans ta bagnole là après? Non, celle-là, je vais la préparer en drift, celle-là. Bon, hey, mon copain. Ouais. Je t'ai retiré le câble du radiateur, il ne servait à rien, je te le garage. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Ça va fumer un peu quand tu vas démarrer, mais c'est bon, rien de grave. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 minutes pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sur ton tableau de bord, t'as un petit bouton. Un petit bouton? Ouais, quand t'appuies sur le petit bouton, on dirait un V, tu vois, tu cliques dessus. Tu vas voir ce qui se passe, tes tractions, elles lâchent. Et donc, du coup, tu roules sans traction. On dirait un V, je suis pas sûr.
Si si, le bouton, là où est-ce qu'il y a un petit... Ok, j'arrête. C'est bon, tu peux rentrer dedans. Pardon, excusez-moi. Allez, des bisous. A plus. Vous êtes déjà parti? Non, je suis là, moi. On se retrouve au QG. On vous attend parce que ce truc à la thune, donc on t'escorte. J'ai fini ma formation MMS et si vous êtes toujours présent, je vous rejoins au QG. Ah bon, perso, je vais pas faire long feu. Hein. Et... Ouais, ta voiture à toi, elle est au LS. Donc il faut passer au LS que tu récupères ta caisse. Ouais. Donc m'escortez pas, allez direct au LS. Bien reçu. On va pas prendre la même autoroute. Comme ça je peux tracer pleine balle aussi. Ils nous ont quasiment rien pris. Sérieux ? Ouais ouais, on avait fait 82 000 en gros de salles. Ils m'ont filé 80 000. Ils ont pris 1900 ouais, et quelques. 1005, ouais. Ils ont pris 1500, 1006. C'est des amours. Ouais, ça va. Ils nous mettent bien. Ils m'ont dit pour la première. Il m'a dit pour la première, vous avez tellement bossé, je voulais pas vous prendre 20%. Bah, c'est ce qui va aller. En fait, c'est ce qu'on va lui ramener tous les deux jours. Non, j'ai pas vu, c'est quoi le bouton V? Et encore, wesh. Tu vois. Bon, je sais pas si tu serais d'accord, wesh. Mais tu vois, wesh. C'est qu'on lui ramène. Deux fois dans la semaine en fait. Genre toutes les deux plongées, hop, on lui ramène ce qu'on a. Et quoi ce truc? Comme ça, nous, ça nous fait gagner plus et eux aussi. C'est toi qui m'as installé ça ou c'est quoi cette connerie là? Ah non, mais moi j'ai dit à chaque fois qu'on a, on lui ramène. Hein. C'est tout. Ok, ok. Bon, à chaque fois qu'on a, on lui ramène. Ouais, donc ça va être tous les deux jours, ça va être comme ça. Donc. Mais c'est quoi cette connerie? Il est d'origine. Ouais, mais ça marche pas comme la prépa drift, c'est pas pareil. J'arrive pas que ça faisait ça, gros. C'est incroyable. Arrête-tu, faudrait que tu me fasses un virement de 1000 balles. Je te l'ai fait normalement. Attends, je vais regarder. Après, normalement, tu l'as reçu. Ça marche pas comme la prépa drift. Yes, je l'avais pas vu, autant pour moi. T'inquiète. Ah, comme ça, vu qu'on va au QG, je vais prendre les 3000 et puis même je vais mettre même 4000 dedans. Comme ça, c'est déjà, ce sera fait. Yes, ça roule. Un connard, je me suis trompé de sortie. Je sais plus. Parce que je crois pas que ce soit 3000 balles la semaine. Hein. Je crois que c'était un peu plus. Hein. Oui, c'est 3165 ou une connerie comme ça. C'est pas... C'est pas tant plus que ça. Non, non, mais c'était un petit peu plus, mais pas énorme. On se rejoint tous au curé, au QG. Oh, ouais, on va tous voir le curé, oui. Allez, let's go. Et là, tu divises par combien? Aïe, aïe, aïe. Aïe. Tout ça pour esquiver un connard encore. Mmh. Hein? Ouais, ça va. On va bientôt vous rejoindre au QG, les gars. Ça roule, ma direction le QG. On part dans une dizaine de minutes. Ouais, je sais plus ce que je disais, ouais. Ah bah oui, tu m'étonnes. Les verres, on ira les voir demain, parce que j'ai pas envie d'aller les voir ce soir. Mmh. Juste pour les fériés. Et quoi? Les verres, on ira les voir demain. Yes.
J'ai pas envie d'aller les voir ce soir. Il faut vraiment que le serrurier nous fasse la clé. Hein. Oui. Mais ce serait bien, oui. Oh oui. Putain, elle a mangé la voiture. Un peu, oui. C'est pas grave. Il faut que tu m'en fasses le virement de d'Amy aussi. Aïe, 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 aïe. Ah, il entend plus. Fais pas genre. Le garage, la porte, non. La porte du garage de droite est ouverte, les gars. Tu vas bien? Tu t'es craché? Aïe, aïe, aïe. Non, il fait semblant parce qu'il... Attends, je backtrack, il fait semblant, il fait semblant. Non, il est vraiment plus derrière moi. Putain, Richie. C'est vrai qu'il y a des poubelles juste là. De quoi? Une putain de voiture qui s'est déportée et je me crée un petit cône de merde et la voiture elle est partie en couille. Alors je sais pas à quoi ça va nous servir mais je pose tout ici. Oui, je stocke tout déjà. Putain de civil de mort, je vais faire un carnage. Les glaces, la plastique, les bouteilles, je mets tout ici. Oui, je stocke tout moi. Il y a des chances que ça nous serve peut-être pour le noce et les plaques. Ouais, peut-être. Mais je vais faire le tour des poubelles là. Donc. Parce qu'il y a des poubelles derrière. On se met en route des EMS, je vais vite faire une tenue, on arrive. On arrive direct, je vais faire la tenue après. Oui, voilà, c'est mieux. Comme ça, je vous file le blé. Parce que si j'essaie de vous l'envoyer, je dois payer plus cher, donc... Oh, on va arriver. On arrive au QG. Oui, allez. Oh voilà. Oh la Pépito. Pépito, il me fatigue. Je ne dis rien, mais il me fatigue. Ah, moi qui... Vous étiez enthousiasmé au début de soirée d'avoir votre osé, il n'y a plus personne. Tant pis, dites-moi, je garde tout pour moi, je vais m'acheter ma caisse, hein, vraiment. Ah, j'arrive. T'inquiète pas, on arrive. Je faisais les poubelles. On a un Pépito qui est en concesse. Il a souhaité aller au concess, donc il est au concess. Je vous ai demandé de venir que je vous paye. Les gars, quand on dit j'attends que ça de venir au QG en vrai.
Bah Pépito, tu sors du concert, c'est retour QG ou dans... Alors moi j'arrive, hein, mais je suis limité en vitesse là. Je viens de sortir avec une moto. S'acheter une moto. Comment ça, il vient de sortir avec une moto? S'acheter une moto. Oui, Pépito adore faire de la moto, il est plus à l'aise en moto qu'en voiture. Bah cool, mais... Elle est belle en fait sa moto en vrai. Ouais, mais quand on demande un retour QG, j'aimerais bien le retour QG, si vous voulez. On arrive, on est on est pas loin du QG. Non, vous êtes au conseil, s'il vient de sortir avec une moto, me prends pas pour un con, s'il te plaît. Parce qu'il a voulu aller au conseil chercher une moto. Aïe. Il aurait pu faire ça après. Ah, bordel de merde. Sur le pont putain, avant de merde, je vais niquer leur mère. Je vais niquer leur mère. Je me suis explosé les coudes. C'est bon ou pas? Alors moi j'étais à fond sur le retour QG, hein, mais il y a un civil qui m'a fait nope. Ouhou! T'as pas eu du soir, ma poule. Merci. Let's go, baby. Pour info, je suis là, je suis devant. Let's go, c'est bon ça, putain. Les gars, on a 3 tonnes de place dans le garage, vous dirigez pas au niveau des canapés et du bar. Regardez, moi je me suis mis sur un des bancs, vous pouvez vous mettre au fond. Exposez un peu vos bagnoles, quoi, soyez-en fiers. Et vous rangez pas juste en dépit comme si c'était rien. Amy, tu devrais déposer ta thune. Jean, je te fais le virement tout de suite pour. Ah, oui. Merci beaucoup d'ailleurs. Attends, je vais donc kiffer les. Mais non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Putain. De la merde, comme d'habitude. Ouais, bah oui. Hop. Yes. Yep. T'as reçu? Ouais, c'est bon, merci. Nickel. Voilà. Je crois que je vais refaire un tour au Les Custos vite fait réparer ma voiture là. Parce qu'il n'y a plus d'aile, il n'y a plus de pare-choc. Voilà. J'ai 15 500 piles sur le compte. Je foutrai le turbo demain. Demain, ah, le turbo. Bon, tout le monde a été payé. Yes. Il. Voilà. Perfect. Et hop. 20 000. Oui, tu peux m'en envoyer 5, j'ai oublié de les prendre. Pour la voiture de Ying. Merci d'ailleurs. C'est ce que je me suis dit aussi, oui. J'ai oublié de les prendre, ouais. Faut que tu me les envoies. Et moi, t'es d'être après ou pas? Non plus. Zappé. Puis repasse-moi les en espèces, les 5 000. Putain, avalanche complet, c'est beau ça. I like it, baby. Oh non, t'as reçu. Yes.
Ouais, c'est presque comme si j'avais pas payé la voiture. Ah voilà. Oui, c'est presque comme si j'avais pas payé la cuisson. C'est ça. À 1000 ou 2000 balles près, c'est presque. Je suis revenu à ce que j'avais en début de soirée à 1000 ou 2000 balles près. Donc ça va. Bon bah, en réalité, moi j'ai rien payé. Moi, la paye de soi, ouais. Bon bah, du coup, je suis EMS. Il faut que je vais voir, du coup, mon ancien patron pour qu'il me donne ma prime de la semaine. Tu l'as dit que tu démissionnais ? Oui. Je l'appelais avant que je sois engagé. Bon, par contre, demain, on va voir les families. Je vais pas y aller ce soir parce que j'ai pas envie de leur faire ce plaisir. Demain, on va voir les families. Par contre, ils ont intérêt à me se comporter parce que. Ouais, je pense pas que c'est bon. Là, le zoo, bah, c'est simple. On y va, on se présente et s'ils se comportent de la même manière, bon, on fera jamais d'affaires avec eux, c'est tout. Oui, voilà. Et moi, je travaille pas avec des singes. Oui, non, mais clairement, hein, si tu laisses faire les oeuvres là, comme t'as dit, hein, on laisse parler. Et... Oui, ils se croient importants, ils se prennent pour ce qu'ils sont pas, et le jour où ils vont s'en prendre à nous, ils vont faire la moindre erreur, on va les brûler tous. Voilà, c'est ça, hein, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Y a pas... Je travaille pas avec ce genre de gars. Ça pue les embrouilles dans le business. Y a quelqu'un qui fait m'amuse avec la porte là. Non, à quelle porte? J'entendais la porte commencer à monter. Ah putain, j'ai une toux. Mais plutôt, t'as pas un cachet s'il te plaît? Je te le paye au pire. Donc on les rencontrera demain soir. Ça, si vous voulez okay. Des cachets ou des traitements, vous nous dites du coup, Pepito et moi, et puis on peut vous les vendre directement. Voilà. Donc demain soir, on fait une rencontre avec les families. J'organiserai ça, mais pas ce soir, parce que pas envie de leur donner. Parce que moi, je vais aller me péter. Tu te dois combien, Pepito? On a beaucoup bossé après. Aujourd'hui, on a bien fait les choses. Ah ouais. Ouais, nickel. Demain c'est journée légale on va dire en gros. Enfin, quoique ouais. demain soir j'aimerais bien qu'on rencontre les families et après qu'on aille vendre parce qu'on n'est pas allé vendre du coup ce soir. Ouais, parce que du coup vous avez fait la caisse et puis moi j'ai fait les EMS. Ouais c'est ça. Donc j'aimerais bien que demain on aille vendre. Vous en avez eu combien pour la custo? Il en a eu pour un certain prix. C'est terrible. Je dirais pas le montant. C'est réellement terrible. Ouais, la caisse est cool. C'est laquelle? C'est la Kanjo là-haut. Ah oui, c'est la Kanjo tout au fond. Tu veux aller là beaucoup plus en détail. C'est belle. Oui, ouais. Prenez pas la place au milieu des deux spots lumineux, allez vous garer plus au fond, genre sous l'autre pont. On a de la place autant. J'avais oublié qu'Emmy aimait bien râler. Ah oui, on a un gros garage, exposez vos voitures. Non mais elle a raison, c'est ça le truc. C'est vrai. D'ailleurs, techniquement, les deux places au milieu, là, c'est la place du numéro 1 et du numéro 2, hein, mais bon, et ça, je dis rien. Non mais je t'inquiète pas, c'est pour la prochaine fois. Et les deux places vrai, lumineuses y a quand même au milieu, un spot lumineux. C'est nos places, normalement. Hein. Elle est quand même jolie. Elle est jolie, là, non? Ouais, elle est... J'aime bien. Bien aussi. Bah tant mieux, parce que tu vas la supporter jusqu'à ce que tu puisses t'en acheter une autre. Ah bah ça va durer un bout de temps du coup, ouais. Mais ça me dérange pas. Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller vite. Un petit stop là-dedans, là. Ouais. Ceux qui a un petit VC qui rentre. Moi, d'ici la fin de semaine, j'ai mon autre bagnole. Hein. Celle-là, je la mettrai en drift, vraiment. Je veux pas la swap. Ça sert à rien de la swap si je la mets en drift. Ça, je sais que c'est une idée très conne, hein, vu que c'est une traction. J'aimerais bien la mettre en drag. Tu peux faire une prépa drag dessus, mais il faut la swap d'abord. Ouais. Puis tu fais bloquer le pont, hein. Comme ça te fait les deux. Hein. Traction et propulsion, hein. Quatre roues motrices. On verra ce que l'on fait. Astor, il est très bien comme ça, je l'ai. Bon,
Les enfants, moi je vous aime bien. Mais j'ai eu mon opération du cerveau là tout à l'heure, j'ai encore plein de trucs à régler niveau médoc. Oui. Et je fatigue. Moi je vais aller me pioter parce que ben bientôt j'ai mes nouvelles lentilles, demain ou après demain, je sais pas quand, mais. Let's go. J'ai mon nouveau GPS pour le mon nouvel écran GPS. Arrivé. Ouais. Hop. Je l'ai commandé ce matin du coup. Un bel écran incurvé et tout là. Oh là là. Ça va être bien. Ouais ouais. Donc moi je vais aller à la maison. Sachant que je vous invite à pas spécialement dormir dans le QG parce que je suis le seul connard qui a les clés. Ouais. Ouais non. Donc. Mauvais bail. Donc let's go les maisons. Allez. Let's allez. Go. Moi je prends de l'avance. Hein. Et bah bonne nuit. Allez je vous bah, là je suis clairement pas là. Moi je vais. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, bon boulot. Et la bonne nuit. J'aime le bruit de ma caisse. Pupito. Tartine, ça double. De quoi? Tartine! Comment ça, tartine? Ça veut rien dire, ça, poteau? Bah, à l'avance, quoi! Ah, bah, un petit peu, oui, forcément! Bon, c'est une traction, c'est un petit moteur, mais comme elle est légère. Bah, bon, c'est un petit moteur, c'est un peu trop puissant, donc du coup, la puissance a du mal à passer devant, donc du coup, ça dérape un peu. C'est ça qui est marrant! Pépito, a perdu. Oups, j'ai pas eu ma ceinture. Je vais être en panne sèche, j'ai oublié de mettre de l'essence. Oups, mon mec a fait une panne. Tu nous fais le coup de la panne, hein. Ouais, mais y'a personne qui va venir m'aider. Hein. Bah, moi j'ai Pépito, ils sont dormir sur son t'es téléphone. T'es où là? Normalement j'ai une station essence devant moi, donc ça devrait aller. Ouais, moi j'ai Pépito, ils sont dormis sur son téléphone dans le QG, il sait même pas que vous êtes parti tellement il est concentré. Des bisous à lui, hein. Du coup moi je suis dans la maison. Marche. Bonne nuit, tout pour info, la semaine, la maison c'est 3065. Nuit. Ouais, il faut que je les mette. Et bonne moi, nuit, Amy. Faut que je les mette. Moi je fonce sur les custom pour faire réparer la caisse parce que ça va pas là. Oh bah si tu t'es fait défoncer, ouais c'est normal. Là je suis à 50 max. Excuse-moi papy. T'inquiète. T'es connu à la vie avec des tamagotchi. Ouais t'inquiète. Bon, par contre, Pépito, quand on dit retour ouais. QG, c'est retour QG. Mais j'étais pas au courant, en fait. T'es encore là, Rurik? Non, t'étais bien ouais, que j'en fasse revenu direct. Quand, le... Ce qu'on trouve dans les poubelles, on le met où? Ça venait toujours. De quoi? Bah, pour savoir, parce que je viens de faire celle du quartier. Mais j'ai pas compris ce que tu m'as demandé. Celle... Ce qu'on trouve dans les poubelles. Tu sais, les bouteilles d'eau, tout ça. Ouais, tu le gardes sur toi et tu mettras au QG. Ok. Richie? Oui?
Tu peux venir avec ta dépanneuse pour une panne d'essence. Ah, j'arrive. Oui, je sais. Tout à l'heure, on l'a dit. D'un coup, j'ai Tommy qui me dit. Ouais, mais j'ai Tommy qui me dit, ouais, mais on s'arrête au concessionnaire, Pépito, il veut. Je dis, non, on a dit retour QG. Ouais, mais du coup, on est au concessionnaire. Ben non, en fait, c'est retour QG. C'est un bon courant que t'as pas déconné. Allez, à demain. Bonne soirée à vous et bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Non, je crois attendre, c'est très bien. Tommy, t'avais prévenu Pépito qu'il y avait retour QG? Ouais, j'avais prévenu Pépito pour le retour que j'ai tout à l'heure. Ah bah c'est que j'ai pas entendu. Quand okay. On était au GMS. Pourquoi? Rien. C'est que j'avais pas entendu, excuse-moi. Ouais, y'a pas de mal. Pépito? Ouais. Bon. Allez. Il file, je vais aller payer le loyer, je vais aller me coucher. Okay. T'es où, Tommy? Puis sur l'autoroute en diagonale de 3075. Tu vas voir ma position GPS si tu veux. Je fais Pépito. Je règle mon GPS. Info, Richie, je suis en dessous des voies d'autoroute. Get the fuck away from me. Ok. Ah oui, je te vois. Allez, loyer payé, je vais m'affaler sur mon canapé et dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, dépensez pas toutes vos thunes. Bonne nuit. Yeah, bonne nuit. Bonne nuit. Allez les amis, ça va être une fin de live. C'est bien sympathique. On s'est bien amusé. On a fait pas mal de choses. On a surtout fait de la thune. Je suis content. 2-3 sessions de plongée illégale, je devrais pouvoir me payer. Ashwarzer. Oui, j'aurais pu tout prendre pour moi et me la payer tout seul directement. Ça aurait été dégueulasse pour mon équipe qui travaille. Avec moi. Et Rurik, c'est pas le genre de chef à vouloir toute la thune pour lui. Donc ça va, tout va bien.